Salut à tous, bienvenue dans Sans filet, le mag, émission spéciale, émission plus longue à retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Je suis ravie de retrouver SV comme tous les lundis à ma gauche. Bonjour. Comment SV ? Bonjour. J'allais te dire en pleine forme, mais non, la question ne se pose plus enfin, en mois de mars. Olympique. écoute, ça va. On arrive bientôt sur la fin de cette période où on vit la nuit, mais... On va parler d'un certain Gaël Monfils, c'est ça aujourd'hui ? Exactement, c'est le thème du jour. Et pour parler de Gaël Monfils, j'ai gardé Julien Barlet et Benoît Mélin. Ils sont toujours là. C'est la folie, l'excitation, nous dit Gaël, tout à fait. C'est la folie. Julien Barlet. L'excitation est un peu... Si. Bah, le coucher 6 heures, il est un peu dur, là. Mais non, ça va. C'est une belle nuit de tennis. Au moins, c'est réel. Non, c'était une belle nuit de tennis, mais pas la tenir. Donc non, c'était cool. Benoît Mélin, lui, c'est un hibou. Bah c'est mais rendez-vous à minuit. Hein. Moi, je suis pas. Regarde, je suis déjà prêt, je suis en bleu-blanc-rouge. Je suis prêt, j'attends. Il minuit. Attend le Monfils Alcaraz, comme nous tous. Je vous présente le sommaire de cette émission. Donc, ce sera Gaël Monfils après un début de saison timide. Le Français est monté en puissance. Comment expliquer cela ? Va-t-il réussir à réaliser son objectif de participer au jeu ? Et a-t-il vraiment des chances de médaille ? Dans la deuxième partie de l'émission, Julien Barlet vous parlera des qualités de déplacement hors normes de Carlos Alcaraz, l'adversaire du soir de Gaël Monfils. On fera aussi le bilan de la semaine. L'équipe va distribuer ses tops et ses flops. On aura beaucoup de choses à dire dans cette partie-là. Et beaucoup de choses à dire aussi dans la partie pronostic avec des superbes affiches ce soir à Miami. En 2024, l'objectif est clair pour Gaël Monfils, disputer les Jeux. Est-ce que c'est un objectif réalisable ? A-t-il vraiment des chances de médaille ? Match. Début de saison... A oublié pour Gaël Monfils, mais la machine s'est relancée à Doha, où vous vous en souvenez très certainement. Monfils a atteint les demi-finales. À Indian Wells, il s'est offert Urkacz et Noriko sur coup. Et ce soir, il s'offre donc un match de gala contre Carlos Alcaraz à Miami SV. Comment on explique cette montée en puissance du Français à 37 ans ? J'aime bien l'éternel espoir à Gaël. Bah, ça s'explique par déjà une condition physique irréprochable. On le voit là depuis quelques semaines. Il est très, très prêt, très fit. Et moi, j'hallucine parce qu'il a 37 ans et demi, ce joueur, et il est dans une condition physique presque prime, j'ai envie de dire. Enfin, quel autre joueur à cet âge-là a démontré des facultés physiques pareilles ? C'est un gars... Parce que de base aussi, il a des qualités naturelles qui sont énormes. Alors, Gaël, là, j'ai vraiment observé son match contre Thompson et même tous ses matchs au préalable. Il a une manière, en fait, de défendre. Il est vraiment dans ses fondamentaux tennistiques, c'est-à-dire qu'il aime bien... Voilà, se mettre à 2-3 mètres de la ligne de fond, voir un peu ce qui se passe et changer de rythme aussi brutalement. Donc il est capable d'accélérer en coup droit avec son énorme coup droit lasso qui est génial. Et puis un travail qui a été effectué aussi, c'est au niveau de son service. Ça, c'est fondamental pour s'économiser, pour remporter ses jeux de service facilement, donc les remporter à 40-0 et puis redonner la main ensuite à l'adversaire, ce qui lui permet justement d'établir son jeu de défense, de ne pas être toujours dans le travail, dans le grind. Donc il a ce jeu de changement de rythme qui est difficile à jouer. Et Thompson, il a pété un câble hein, sur la deuxième partie du match. Il n'en pouvait plus parce qu'il se disait « Mais qu'est-ce qui me fait le gars là ? Il n'arrête pas il me défend sur tous les points. » Et puis tout d'un coup, il arrive à accélérer. Donc c'est un jeu qui est assez difficile à appréhender, Gaël. Toujours fait de flash, de fulgurance. Et un joueur qui reste quasiment indébordable à 37 ans passés. Ce qui est très fort. Comment on explique aussi ça, Juju ? Non, mais après, je pense qu'effectivement, il a des qualités naturelles qui sont hors normes. Maintenant, on se posait la question, je me rappelle qu'on avait fait une émission avec Benoît sur sa programmation, qui était quand même très particulière. Ouais. Là, maintenant, il s'est remis un peu dans le sens. Il veut beaucoup, beaucoup jouer. Hein. Regardez ce qu'il a déclaré. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il se fait un calendrier, mais... il veut essayer de jouer beaucoup pour tenter de se qualifier pour les Jeux, justement. Non, mais ça, c'est l'objectif. Et pour ça, il veut jouer beaucoup. Soucis. Mais je ne suis pas sûr que jouer beaucoup, mine de rien, même s'il est très bon là, sur ce tournoi, on sait que parfois, ça peut tirer un droit à gauche. Donc, je ne suis pas sûr que beaucoup jouer... À un moment ou un autre, tu sais, quand tu fais une programmation, il faut s'y tenir. Et je pense qu'encore plus... à son âge, mine de rien, c'est de dire, voilà, j'enchaîne 3 tournois, mais je suis focus sur les 3 tournois. Pas me dire, potentiellement, j'ai un tournoi de rattrapage si je ne me joue pas bien. Non. Et au contraire, il faut se mettre une date butoir et se mettre une pression, de dire, voilà, j'ai 3 tournois ou 2 tournois à faire, il faut que je sois super bon. Parce que si tu dis, ouais, je peux me rattraper, parce que au tennis, tu peux te rattraper toutes les semaines, là, tu tombes dans un mauvais mood. Mais après, moi, je pense, je fais vraiment, tu vois, ces derniers temps, un peu le parallèle entre Richard, parce que c'est la même génération, ils ont eu à peu près le même niveau. Mais effectivement, ils ont un style de jeu différent. Et je fais le parallèle, c'est qu'on voit là que Richard est de plus en plus dans le dur. Je sors l'aspect physique. Un Richard qui n'a pas un coup fort, on va dire,
il ne sert pas monstrueusement bien, il ne peut pas mettre des claques côté coup droit comme fait Gaël, et je pense que cette qualité-là de service de Gaël, effectivement, cette, moi, quand je jouais avec lui, quand j'étais en double avec lui, c'était cette faculté à développer de la puissance sans faire d'efforts. Et c'est ce qui fait que m'a su permettre, comme disait, de super bien servir, en coup droit, même quand il est un peu loin, d'inverser la tendance pour revenir dans le jeu, ce que ne peut pas faire Richard. Donc voilà, je pense que son jeu, eh ben, Richie a pris un coup de vieux, mais Gaël arrive à tenir parce qu'il a, il a ce service et ce coup droit. Plus, il allie quand même un jeu de défense qui est quand même exceptionnel, mais attention de ne pas être trop en défense, d'aller tirer un peu trop sur la machine parfois, parce que c'est là où je pense qu'il peut se... peut-être se blesser. Bah, David nous dit très bon physique, mais souvent blessé pendant sa carrière, alors que Sia sur YouTube nous demande si c'est le meilleur physique de tous les temps, Gaël Monfils. Peut-être pas. Bah non, parce qu'il s'est blessé. Il s'est blessé plusieurs fois. Donc ouais. Maintenant, il y a aussi l'aspect que ben, on va arriver sur Terre, on va se rapprocher de Rouen, se rapprocher des JO, plus les gens vont l'attendre. Ben, quand on attend Gaël, déjà moi je me pose la question sur... Très souvent, quand tu regardes des gros matchs, putain Gaël, ça vient faire un truc énorme, ça, puis après ça... Maintenant, déjà là, je pense qu'il a quand même accumulé quand même assez d'expérience et maintenant il est mature pour ne pas tomber dans le piège de faire un non-match contre Alcaraz. Maintenant, à voir. Mais je trouve que voilà, il joue extrêmement bien. Maintenant, il faut tenir ça encore pendant quelques mois. Benoît Mélin. Merci Benoît. Merci Benoît. Ben non, mais c'est mon fils. C'est combien de fois on... Combien de fois on s'est dit il va nous faire le truc, et puis il l'a pas fait. Moi j'avoue que le fait qu'ils disent là, enfin genre après ils disent ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Mais peut-être que ce mec-là il est capable encore de jouer à ce niveau-là parce qu'il a quasiment jamais fait une saison complète. On va dire qu'un mec qui fait plus de 60 matchs sur le circuit pro, classement ATP, 60 matchs, on va dire, allez, 60 matchs, ça le fait. Ça veut dire que tu joues bien, bon, t'as fait ta saison complète. Moi, j'ai regardé, hein, depuis 2005, quand il est passé pro, il a fait 3 saisons, sur 20, donc, à plus de 60 matchs. Donc, automatiquement, oui, il se blesse, mais en même temps... Il tire moins sur la machine. Et il joue moins que les autres, quoi. Donc, ça dure, ça lui permet. Alors, ça lui permet, c'est compliqué, hein, puisqu'il se blesse. Donc, automatiquement, il faut soigner, il faut repartir. On ne se rend même pas compte de tous les sacrifices que ça génère, surtout là, avec l'âge aidant. Donc, c'est un boulot de tous les jours, comme un Murray, même s'il n'y a pas une hanche en plastique ou tout ce que vous voulez. Mais il n'arrive pas comme ça à ce niveau-là par hasard. Après, c'est toujours la même chose. On voit Gaël sur terre battue, or, ce n'est pas la surface de Gaël Monfils. Donc, le souci de Gaël Monfils, c'est qu'il a performé tout de suite à Roland-Garros. Donc, on s'est dit, c'est lui qui va gagner Roland-Garros. Ouais. Il a fait son premier huitième là-bas, c'est là-bas qu'il bat ses top 10, c'est là qu'il fait sa demi à Roland-Garros, c'est là, Monfils Roland-Garros. Oh, c'est pas là où il joue le mieux. Même si c'est à Roland-Garros qu'il a fait ses meilleurs résultats en Grand Chelem. Mais parce qu'il est porté par ce public, par cette espèce de folie qui le... Mais je calcule rien avec lui. C'est impossible de calculer quelque chose avec lui. Oui, il sera au JO. Lui, il calcule, c'est ça, bah ouais. Mais non, mais il calcule, je pense pas qu'il calcule. Pour le moment, il y est. Mais il y sera, c'est obligatoire. Il faut être dans les 4 premiers Français, on rappelle hein, comment ça se passe au niveau des qualifs des JO. Il faut être dans les 4 premiers Français au classement ATP au lendemain de Roland-Garros, le 10 juin. Et être dans le cut aussi, évidemment. Hein. Mais avec le système de quotas, les blessures, etc. Alors normalement c'est 56, mais ça devrait être plus bas. Ça va peut-être descendre un peu. Ouais, ça va descendre vers 65, peut-être. On va voir. Franchement, à moins d'une blessure... Pour le moment, il y est. Mais après, je pense que c'est là aussi un test... pour lui, de voir vraiment se mesurer à, voilà, il vient de gagner Indian Wells et Alcaraz, de se mesurer à quelqu'un d'exceptionnel, voilà, voir comment sentir, comment il va jouer, parce qu'effectivement, très souvent, sur certains matchs où on l'attendait, poum, ça l'a pas fait. Là, voilà, moi je pense que c'est un très très bon test pour lui, il a fait 2 très bons matchs, il joue Alcaraz, il est outsider, donc voilà, à lui de voir, mais effectivement, je me posais beaucoup de questions sur sa programmation début d'année, d'aller faire des trucs un peu bizarres. Là, hop, il joue pas mal sur Indian Wells, Miami. La saison va arriver sur Terre. Moi, je serais lui, je ne jouerais pas non plus toutes les semaines.
je ferai, voilà, j'essaierai de... Oui, maintenant qu'il a plus ou moins assuré sa place. De vraiment cibler, un peu comme le font certains joueurs, de cibler vraiment mes tournois pour arriver en point, en pic de forme, Roland, la saison sur gazon, et puis les JO potentiellement. Il y a un point qui est important aussi chez lui, c'est la notion de plaisir et de partage avec le public. Et on l'a vu encore contre Thompson, et on le voit quasiment à tous ses matchs, il a le sourire. Il regarde son clan, il y a un esprit très clanique avec lui, avec sa famille, on le sait, son papa. Et là, avec Elina Svitolina qui est présente, et lui, ça le galvanise, ça lui donne vraiment une énergie supplémentaire. Et puis, il a cette connexion avec le public qui lui permet de se transcender. Et là, je pense qu'il est dans des dispositions très favorables. Il a retrouvé ses qualités physiques, il est en confiance. Lui, je pense, la grande question, c'est est-ce qu'il peut rester en bonne santé, pas se blesser sur la fin de sa carrière? Parce que là, une blessure de ne serait-ce que 3-4 mois, ce serait terrible. Vraiment terrible, ça viendrait casser le momentum. Même moins, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que là, quand même, la Terre est toujours une surface exigeante. C'est une préparation un peu différente, c'est retravailler les adducteurs, parce que tu as beaucoup plus de glissades, tu vois, dès que tu te blesses. Et puis, il faut retravailler un peu l'endurance, il faut refaire un peu un bloc, même si là... C'est court pour certains joueurs parce que Monte-Carlo va arriver très rapidement. Mais voilà, c'est une préparation un petit peu différente, un style de jeu différent, des échanges un peu plus longs. Donc voilà, ça engendre quand même pas mal de choses. Donc maintenant, moi, ce que je trouve, ce qu'il fait encore là, ben, on l'attend pas, boum. C'est déjà assez dingue présent, d'obtenir quoi. Sa qualif normalement ouais, pour les jeux. Mais il m'angoisse de toute façon parce que je ne sais pas ce qu'il va faire et j'ai très très peur de sa programmation parce qu'il en est déjà à 17 matchs là. Depuis le début de la saison. Ce qui est énorme, énorme pour lui. L'an dernier, il se pète, il y a un an, il se pète à Miami. Quoi. Il abandonne. Alors, ouais, c'est quoi? Sur un coup, là, on voit comme s'il s'électrocute, la main, le poignet, on ne sait pas trop. Lui dit, je pars en examen, j'espère que ce n'est pas trop grave et tout ça. Poum, il ne joue plus, il revient à Roland-Garros. Enfin, il ne fait plus un résultat. Il arrive à Roland-Garros, il fait un match de dingue. Ah oui. Derrière, rupture des tendons du poignet, je ne joue plus. Donc, la dernière fois que le mec a enchaîné des matchs, c'était fin 2021, début 2022. Donc, il joue quasiment pas l'année dernière. Il doit faire même pas 30 matchs. Là, c'est une année particulière, peut-être qu'il va revoir avec ses résultats. Mais tu ne peux pas perdre. Tu dois rester au contact de ces mecs-là. Tu dois leur montrer que tu es dangereux. Donc là, il l'a prouvé. Mais on n'est pas arrivé sur Terre encore. Mais il l'a prouvé. Il a battu du top 10. Il a fait des bons résultats. On voit que physiquement, il peut tenir le fameux plus de 3 heures contre Nori. OK, il est là. Bon, là, très bien, il va jouer Alcaraz. Donc on va se rendre compte aussi de ce que ça donne contre des mecs comme ça. Quoi. Parce que la dernière fois qu'ils s'étaient joués, enfin, la seule fois où ils sont joués, il a dit, j'ai même pas vu le jour, quoi. Le mec m'a détruit, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner là. Mais ça n'a rien à voir avec la terre battue. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Moi, j'ai envie de lui dire, vas-y, joue, éclate-toi, mais doucement, quoi. Parce que. Ouais, mais je suis pas sûr. Mais tu peux pas, c'est impossible. C'est difficile avec lui de le tamiser, mais je vous pensez possible. Qu'il a des chances de médaille au jeu, Gaël Monfils? Chance de médaille, ce serait incroyable. Mais non, je pense qu'il est loin. Après, je sais même pas si dans les 10. Ouais, mais qui est spécialiste de la Terre aujourd'hui? Donc après, tu vas arriver avec des mecs qui ont joué comme des dingues. Je vous mets un petit sondage dans le chat, ça m'intéresse. Non, mais regarde, mais après, faut pas oublier que mine de rien, le JO, c'est 2-7 gagnants. Ouais. C'est un format, c'est pas un format de grand chelem. Hein. C'est un format qui est bon pour lui. Qui est bon pour lui, mais qui est bon pour les autres. D'autres aussi, ouais. Donc, mais ça nivelle les valeurs, parce que c'est un format plus compact. Sur un tournoi comme ça, limite, peut-être que ça peut désavantager un Djokovic, qui est tellement fort sur les grands chelems, dire un format un peu plus court, mais bon. C'est ce que tu dis tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on a attendu Gaël Monfils dans sa carrière, il a très souvent floppé. Il peut se mettre la pression aussi. Hein. Je me souviens de la demi-finale, on en parle souvent, mais la demi-finale à l'US Open en 2016 face à Djokovic, c'était le cirque. C'est même pas qu'il passe à côté, c'est qu'il a une stratégie de un peu faire un match bizarre pour décondenser Novak, et il va gagner le troisième set. C'est un match, je trouve, qui résume un peu sa carrière parce qu'il était attendu sur cette rencontre, et après, voilà, il y avait potentiellement une première finale en grand chelem à faire, et je trouve que c'est le match qu'il symbolise, c'est que dès qu'il y a un truc où il est vraiment attendu, il a du mal à délivrer, c'est l'histoire de sa carrière. On parle de 2016 là,
Oui. 2016, il y a une éternité. Il y a 8 ans. Et en 2016, il joue plus de 60 matchs cette saison-là. C'est pas que nous, on l'attend, il en a rien à foutre qu'on l'attende ou pas. Mais ah, tu crois ? Mais bien sûr, c'est lui surtout. Mais c'est lui. Quand t'es un joueur de tennis professionnel, t'es pas en train de te dire est-ce que les gens m'attendent. T'as... Lui, il sait, quand il arrive en demi-finale à l'US Open contre Djokovic, qu'il joue super bien, qu'il a fait beaucoup de matchs, qu'il a des bons résultats. Et qu'effectivement, là, il part en live, il fait n'importe quoi. Faire match. Mais on n'est plus du tout dans le même Monfils. On est beaucoup plus... Tu lui mets 10 ans dans la tronche, limite. Et c'est, lui, c'est très bien que s'il y a des Jeux olympiques à jouer, et là, maintenant, bah oui, c'est les derniers. Hein, c'est de toute façon, normalement. Donc, c'est Roland-Garros. Oui, il va y avoir beaucoup d'attentes. Mais c'est aussi c'est ce que lui va attendre de ça. Il l'a pointé. Il l'a coché, ce truc. Oui. Donc, il a forcément envie d'y être. Et il va être porté par le public. C'est une évidence que ça va être une folie totale. Mais après, c'est plus du tout le même Monfils. Il n'arrête pas de le déclarer quand il est en conférence de presse et tout ça. Il y a une façon de penser de Gaël Monfils, voilà, qui est devenu père, qui est beaucoup plus mature, qui est peut-être plus justement dans cette espèce de gamin tout foufou qu'il était sur un court de tennis et qui va peut-être gérer ce rendez-vous-là. Mais... Tu regardes l'historique de Monfils sur terre battue. La dernière fois qu'il a battu un top 10 en 2-7 gagnants, c'était Cilic à Rio. Ok, tu mets ça un petit peu de côté. C'était en 2018. Donc, tu es obligé de remonter jusqu'en 2016 à Monte Carlo. Il avait battu Joe Wilfried Tsonga en demi-finale avant d'aller jusqu'en finale à Monte Carlo, ce qui était génial. Bon, il nous fait Federer à Monte Carlo. Mais si tu vas sur du 5-7... Tu remontes à Berdych, à Roland-Garros, on est pareil dans les années 14, 15. Donc, perso, je me dis que c'est pas possible. Le Gaël Monfils, prime, dans tous les Jeux Olympiques qu'il a pu faire, sur dur, sur sa surface, il a toujours calé, même en ayant 3 balles de match contre Nishikori en quart de finale pour aller en demi, en se disant putain, ça y est, il va le faire, il va peut-être jouer une médaille. Bum, il pète, il n'y arrive pas. Même 6-3 dans le tie-break du dernier set, ouais, quoi. Il l'a, il le tient. Et là, tu dis, on va être à Roland-Garros. Public de dingue. Physiquement, où est-ce qu'il en sera à ce moment-là ? On sera fin août, fin juillet. Fin juillet, qu'est-ce qu'il aura fait ? Est-ce qu'il aura joué sur gazon ? Est-ce que s'il enchaîne sur terre, est-ce qu'il va pas ressentir ? Parce qu'il... Tu peux t'imaginer n'importe quoi avec lui. Parce qu'on nous dit qu'il est tellement imprévisible qu'il est capable de nous surprendre. Non, mais bien sûr qu'on y croit. Et puis quand tu vois un peu sa carrière, comme le dit Benoît, même encore l'année passée, il suffit qu'il fasse un plongeon à la con, je sais pas, ou une glissade en bout de course, il se fait les adducteurs ou il retombe sur la... Non, mais c'est le rendez-vous de son année, je suis d'accord, mais après, ça reste Gaël qui est quand même dans son jeu, toujours fougueux, qui en donne, qui va faire des coups parfois de maboule, qui sert parfois à rien. Rappelle-toi le plongeon contre Baez, qui sert à rien, et c'est là où il se fait un peu mal au poignet. Donc, mais bon. Après, j'ai dit une médaille, j'ai pas dit la médaille. Une médaille. Mais après, voilà, tu dis quoi ? Tout dépend du tableau, tout dépend de... On va arriver là-bas... On aura eu toute la saison sur terre, donc on attend tout le temps les mêmes. On se dit, Djokovic, lui aussi, a certainement coché ça. Benoît, faut pas oublier qu'il y aura eu la saison sur terre, mais après, tu passes, t'as quand même Wim. Hein. Oui, bien sûr. Bien les mecs, ils vont pas tous ne pas jouer, se préparer sur terre pour le JO, tu vois. Donc après, il y a aussi la réadaptation gazon-terre. Mais il y en a qui vont sûrement zapper Wim. Rude, déjà, on sait, il va faire du golf pendant 2 semaines. Et... Moi, je pense pas. Peut-être que s'il y en a un, peut-être Rude, il va pas se prendre. Il va aller jouer, mais Marie, ça reste un grand chef. Je sais bien. Ça reste Wim. Même si t'as les JO, tu squeezes pas Wim, quoi. C'est pas possible. Oui, et puis... Après, mis à part peut-être un Gaël, tu vois. Mais non, sinon tu peux pas. Et après, quelles attentes tu as quand t'arrives sur Wimbledon ? Tu vois, moi, si je dois sortir du top 20 des joueurs de terre, bien sûr qu'on pense à Djokovic, bien sûr qu'on pense à Alcaraz, quand même, à un moment ou un autre... Bon, Sinner, tu sais pas trop. Tsitsipas, non, je plaisante. Si, forcément, tu penses à Tsitsipas. Alex le cale aujourd'hui. Mais tu dois penser à Tsitsipas, bien sûr que tu dois penser. Non, mais oui. On est sur un tout petit tableau. Rublev, Zverev. C'est un tout petit tableau, ce truc-là. Il y en a parce qui pensent à Rune autour de cette table. Il y a quand même, c'est un tableau. Casper Ruud, moi, je le vois bien. C'est les 56 premiers du classement mondial. Hein. Ouais. Après, on part sur un tableau de 64 parce qu'il y a les 8 invités de l'ITF. Alors là, ça vient de tous les pays, machin et compagnie. Donc après, un Tunisien qui a gagné les championnats. Voilà, et puis il y aura
J'espère pas pour eux, mais il peut y avoir des blessés aussi dans l'histoire, pourvu que ce soit pas mon fils. Et donc, qui va être dans quoi au tirage au sort, machin, et tout ça? S'il est dans la partie de tableau de, je sais pas moi, Alcaraz. Non, parce qu'Alcaraz, on sait jamais, mais Djokovic. Bon, Djokovic, j'imagine, il a jamais battu. Il a un mauvais ratio contre moi. Ouais, on est mal barré. T'as Djokovic. T'as, bien sûr que tu dois mettre Rune, qui est quand même un très très bon joueur de terre battue. Tu joues Tsitsipas, tu sais pas ce qui peut se passer. Tu mets du Casper Ruud. Putain, il va falloir aller le cogner, celui-là, aussi, sur les terre. Les JO, tu sais à quoi ça fait penser? C'est très simple. C'est Monte-Carlo. C'est Monte-Carlo, parce que tableau réduit sur une semaine. Oui, mais ils n'ont pas joué sur terre. Oui, non, mais je veux dire dans le tableau. Dans le tableau. Ah oui, c'est-à-dire que d'entrée, tu joues des mecs monstrueux. T'as pas le petit jour de le bail. T'es tout de suite, t'es directement quoi. Donc les têtes de série vont être placées et ça va être. C'est ça. Moi, mon Masters 1000 préféré, c'est Monte Carlo. Tableau plus court sur une semaine. Oui. Donc dès le lundi ou dès le mardi, tu peux enchaîner des mecs monstrueux quoi. Donc c'est ça qui est top. Tu peux avoir au premier tour, tu peux avoir mon fils Nadal. Mais parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec Nadal. Non. Si Nadal se remet un petit peu à l'endroit, il fait des bons, voire des très bons résultats, parce que lui aussi. Enfin, encore une fois, on parle de mecs, t'as l'impression qu'ils sont capables de faire en sorte qu'on oublie le temps avec eux. Mais on voit bien que c'est pas possible. Tu vois bien Andy Murray encore dans son match. Tu dis, le mec, ce sont des... Mais il faut leur mettre des statuts à toutes les entrées des cours, à ces mecs-là, parce qu'à un moment, c'est pas normal d'avoir cette volonté-là quand t'as quasiment 40 ans, t'es fracassé de partout, mais ces mecs-là ont qu'une envie, c'est encore d'avoir ce frisson de gagner, de se battre, d'y arriver. Mais Nadal va jouer, puisque de toute façon... Enfin, s'il n'est pas blessé, puisqu'ils ont... Il a le sésame. C'est-à-dire, l'ITF offre, soit pour les vainqueurs de Grand Chelem, soit pour les médaillés olympiques... la possibilité de jouer. Donc si Nadal il est en place, il joue. Mais il n'y a pas de qualifié dans l'histoire, il n'y a rien. Donc au tirage au sort, tu peux jouer n'importe qui. C'est pour ça que je te dis que ça se rapproche de Monte-Carlo. Tu joues direct un mec qui joue monstrueusement bien. Mais... Il n'y croit pas non plus dans le chat à la médaille pour Gaël, mon fils. 72% d'entre vous n'y croient pas, on a quand même 28%. Hein. Mais oui, parce que... peut-être le bronze ou l'argent. Non, mais je pense qu'il... C'est le parce rêve. Qu'on reste, et je pense Gaël que... Gaël nous permet de rêver encore. Mais tous. Mais parce qu'on est français, mais un mec comme Murray, tu crois qu'il ne te fait pas rêver tout l'Empire britannique, le gars? Enfin, c'est... Tu le sens pas plus en souffrance quand même physiquement qu'un mon fils? Mais ces mecs-là me font souffrir, mais moi, même mon fils. Quand je l'ai commenté hier, il me fait mal. C'est dur à regarder Murray. Ouais. C'est ça. C'est vraiment, j'ai une estime énorme pour lui, et dans un autre sens, quand je sais ce qu'il a, et que ne serait-ce qu'entre les points, je le vois marcher, j'ai l'impression qu'il est à l'agonie totale. Mais après, c'est moi, pour, même s'il perd sur Maratch, je trouve qu'il est tout simplement exceptionnel, ce mec. Il a une résilience, il a tellement vécu de choses aussi dans son enfance... avec la tuerie de Dunblane, et il a outrepassé ça, et on sait que le tennis, c'est très très important pour lui, c'est ce qui lui a permis d'oublier cette tragédie, donc il a besoin du tennis pour vivre, quoi. C'est très très important pour lui, et ce qu'il fait sur le court. Après, effectivement, en tant que fan de tennis, l'observer, c'est douloureux parfois. C'est quand même plus dur à regarder. C'est des matchs qui sont... c'est dans le grind, c'est dans la difficulté, c'est dans la douleur. Mon fils, c'est beaucoup plus explosif et spectaculaire. Benoît ? Parce que tu vois, quand tu penses à ces mecs-là, Nadal, pour moi, si Nadal coche quelque chose là, dans cette potentielle dernière année de ces mecs-là, dans l'absolu, hein, même si ce ne sera pas leur dernière année, mais pour Nadal, bien sûr, il y a les JO, mais c'est quand même Roland Garros. C'est son temple. C'est là qu'il doit nous prouver quelque chose. Mais après, c'est des matchs au meilleur des 5-7. Donc, dans quel état physique il sera pour pouvoir tenir sur des matchs au meilleur des 5-7 contre la flopée de dingue? Donc, tu te dis que s'il joue bien sur cette période-là, bien évidemment qu'il va se dire « Ah, les jeux sur 2-7 gagnants, on ne sait jamais. » Donc, t'as ce mec-là de dingue. Murray, oui, bien sûr que tu te dis que lui aussi, son temple, entre guillemets, c'est Wimbledon. Parce que c'est là qu'il a gagné, c'est là qu'il... Mais les JO, il est double médaillé olympique, quoi, le mec. Donc, enfin, il y a une histoire chez ces gars-là qui est dingue. Djokovic n'a jamais gagné la médaille d'or et il doit en faire des cauchemars permanents. C'est une pression folle quand tu joues dans son pays aussi. Il va y avoir... C'est un autre Novak. Une telle volonté de ces mecs qui vont jouer leur dernière JO, même s'ils nous disent n'importe quoi d'autre. Un Djokovic aussi, c'est pareil. Tu sais très bien que ces gars-là vont se retrouver à Paris, Roland-Garros, terre battue.
qui, tournois dans l'absolu, déjà gagné, hein, qui ont déjà gagné, en fait. Déjà, et qui nivellent les valeurs, parce que si Nadal n'est plus Nadal, qui était le mec, bah merde, il y a Nadal. Mais s'il n'y a plus le Nadal qu'on connaît, et je ne vois pas comment il pourrait revenir à ce niveau-là, eh ben tout est ouvert. Donc si tout est ouvert sur un match en 2-7 sur terre battue, bien sûr qu'on rêve avec mon fils. Mais on peut rêver avec n'importe qui là, sur ce tournoi-là. Et tu vois, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que le tournoi et les tournois se suivent. Tu as de plus en plus de nouveaux joueurs, donc ça veut dire que de nouveaux noms qui arrivent. Et quand tu regardes tous les résultats, bon, mis à part Marozan, qui en a mis une, bon, match un peu bizarre de Rune et Alcaraz, tu regardes tous les scores, tous les matchs sont accrochés. Donc ça prouve que le niveau est tellement dense, tu vas arriver sur les JO 2-7, direct, tu joues des mecs forts, on peut avoir vraiment des surprises. Donc, pas oublier aussi qu'il va y arriver tous les Argentins qui ont crapahuté tout le mois de février. Là, la saison sur Terre, tu vois, il y a pas mal de... Il peut y avoir de la surprise. Hein. Et tu vois, regarde, il y a la minute gustative. J'allais en parler, parce qu'il y en a beaucoup qui doutent de l'importance que représente une médaille pour les joueurs. Olympique. Alors, je ne sais pas si c'est le tournoi en lui-même qui les rend complètement fous, ou le fait de participer aux Jeux Olympiques et d'être dans le village avec tous les athlètes et de faire partie de cette espèce de rendez-vous olympien qui est complètement dingue. Mais après, bien évidemment qu'il y a le tournoi. Mais ça reste quand même... Oui, si tu gagnes la médaille d'or, ouais, ok, mais dans le palmarès de Nadal, tu diras pas « Ah, il a gagné la médaille d'or ». Non, mais... On s'en fout. Ouais, mais si, le truc... c'est un des seuls arguments qui reste. Palmarès de Federer, quand même un peu. Ouais, mais dans le palmarès de Federer... Ah. Il n'a pas gagné la médaille d'or. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ce que ça représente pour eux, pas pour nous. On ne parle jamais de ça. On parle du Grand Chelem, des Masters 1000, du Master, ouais, mais rappelle-toi, des grands rendez-vous. Rappelle-toi quand il gagne le double avec Stan, le mec, il a l'impression d'un gosse de 10 ans. Quoi. Oui, bien ça sûr. Ça représente beaucoup pour eux. Nous, on s'en fout. Mais après, effectivement, pour le tennis... Attends, ils sont tous en train d'en parler comme si c'était le... Ah non, mais moi, tu me proposes Roland pour les joueurs, une médaille. Pour les joueurs, c'est hyper important. Roland, oui, bien sûr. Mais tu préfères gagner un grand chelem qu'une médaille olympique? Bien sûr. Ah bah, c'est incomparable. N'importe quel joueur, mais tournoi bien sûr. Tournoi sur 15 jours avec les meilleurs, un tableau de 128, c'est... Ah oui, c'est incomparable. Pour moi, faudrait sonder les joueurs. Je ne peux pas parler à leur place. Ah mais c'est sûr et certain. C'est le Graal. Mais après, la médaille olympique, c'est quelque chose, bien sûr. Ça dépend quand t'as 20 grands chelems et que t'as pas la médaille, t'as envie de chercher la médaille. Quand tu vois Nicolas Massou, par exemple, qui a une médaille d'or olympique, bah, chez lui, au Chili, ça fait quand même un écho. Je pense que ça dépend vraiment du pays d'où tu viens. De ton rapport avec les Olympiades, avec le village olympique. Tu représentes ton pays dans le plus grand événement sportif de l'histoire, bien sûr, que c'est hyper important pour eux. Ouais, pour certains joueurs, c'est pas une donnée véritable. On a vu Shelton qui a dit que les JO, ça l'intéressait pas. Je pense que ça dépend vraiment des joueurs. Et je peux comprendre qu'une partie du public se dise, ouais, les Jeux Olympiques, c'est un peu hors catégorie, c'est en dehors du cycle global avec les prochaines, etc. Bon, après, c'est rare, tous les quatre. Ouais, mais on fait quand même un parallèle. C'est qu'en fait, le circuit est tellement dense, il y a tellement d'importance sur les grands chelems, on parle tellement des grands chelems, que pour moi, quand même, les JO passent un peu au deuxième plan. Mais c'est d'autant plus une évidence que, bien sûr, tu peux parler de Massou et tout ça, mais ce sont des joueurs qui, dans l'absolu, ne peuvent pas gagner un tournoi du Grand Chelem. Donc, eux, quand ils réussissent à avoir une médaille olympique, bien sûr que ça a une explosion nationale. Tout d'un coup, le mec représente notre pays, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais ce ne sont pas des joueurs qu'on a comptabilisés sur des victoires en Masters 1000 ou des tournois du Grand Chelem. Là, on parle de mecs comme Murray, Nadal, Djokovic. Ouais, mais un mec comme mon fils, bien sûr qu'il sait très bien qu'il ne gagnera pas Roland Garros cette année, ni jamais, et que de toute façon, c'est passé. En revanche, il y a ce rêve de se dire, je peux faire une médaille olympique. C'est sa dernière cartouche de faire quelque chose, puisque Tsonga l'a eu et Gasquet l'a eu avec du double, tu vois. L'autre Benito aussi. T'as l'impression que tout d'un coup, putain, sur quoi on s'accroche, les gars? Qu'est-ce qu'on a gagné, quoi? Ah ben, on a fait une finale en Masters 1000, moi j'ai fait une demi en Grand Chelem. Donc ils cherchent le truc qui va faire la différence, qui va briller, quoi. Je vais rester là-dessus parce qu'il y en a beaucoup qui ont des regrets sur la carrière de Gaël, mon fils. Je voulais savoir si c'était aussi votre cas. J'ai vu beaucoup de messages passer dans ce sens-là. Ah, c'est dommage, il n'est pas allé chercher son Grand Chelem, etc. Non. Difficile, en fait, on va tourner un peu en boucle sur le débat de, bah oui, il y avait le Big Four, qui cannibalisait tout, ils ont pris 66 grands chelems en 20 ans, et du coup, c'était difficile de faire sa place, mais malgré tout, je reste quand même un peu déçu de sa carrière. Je pense qu'il avait un potentiel supérieur. Ouais, je suis un peu déçu de la carrière de Gaël. Je pense qu'il avait un potentiel supérieur. Je le voyais à minima faire une finale en grand chelem, surtout, Benoît en parlait, quand il arrive en 2008,
à Roland-Garros et qu'il arrive en demi-finale contre Roger Federer. À ce moment-là, on a Joe qui vient de faire une finale en Australie. Il y a Gilles Simon qui est en train de pousser. Gasquet, ça fait trois ans déjà qu'il est très solide sur le circuit. Et à ce moment-là, on ne peut pas imaginer que Gaël n'aura pas au moins une finale en Grand Chelem. Alors, si on enlève les Grands Chelems, même en revenant sur les Masters 1000, bah, le fait de pas avoir mieux performé que ça, je trouve que c'est une petite déception. Et puis même son rapport à la Coupe Davis, son rapport avec Noah, quand on organise un premier tour pour lui et que finalement, voilà, ça part un peu en sbeule. Je trouve que c'est un joueur qui a fait des belles choses, qui a vécu pour l'amour du public, mais qui n'a pas forcément fait ce grand match référence dans le moment où on l'attendait, où on peut se dire, bah ouais, Gaël, mon fils, là, il a coché la case, il a répondu à nos attentes, il a fait un grand truc là où on l'attendait. Je pense qu'il a manqué ce petit truc pour qu'on puisse se dire, ouais, sa carrière est très réussie. Elle reste réussie, attention, hein. Mais moi, je suis un peu... J'ai une petite réserve quand même par rapport à ce qu'il a produit. Tu vois, connaissant le personnage... Je ne suis pas de ton avis parce que je pense que c'est un mec qui est hédoniste, qui adore donner, qui joue, qui est à sa façon de vivre, enfin sa façon de faire. Et je pense qu'il est allé tirer le max de ce qu'il pouvait. Dans le cadre du plaisir qu'il animait. Quoi. Et je pense que parfois, il est allé donner un peu de plaisir que d'aller. Voilà, je pense qu'il a été beaucoup plus parfois même dans le plaisir que de se concentrer sur le truc. Et après, il a eu sa façon de vivre, sa façon de s'entraîner. Comme à une époque, il disait qu'il ne faisait pas de physique, qu'il jouait qu'au basket. Mais je pense que... Moi, je pense qu'il a tiré, le max du max. Et je ne pense pas que... Il en parlera quand il arrêtera, après sa médaille. Mais je ne pense pas qu'il ait de regrets, parce que je pense qu'il vit comme ça. Quoi. Oui, non, mais lui, potentiellement, n'aura pas de regrets. Mais par exemple, quand je vois son service ces derniers mois, et notamment le service côté égalité, là, le petit service slicé qu'il arrive à faire... Il fait 1m93 quand même, et je trouve que dans sa carrière, dans son prime, il aurait peut-être pu mieux servir que ça. En fait, je me demande s'il a vraiment toujours voulu bosser certains secteurs, ses faiblesses, etc. Après, comme tu dis, Julien, à juste titre, c'est un joueur qui était animé par le plaisir, donc c'est difficile pour un joueur comme ça de dire « tu vas bosser là très très fort pendant 6 mois », peut-être qu'il aurait complètement explosé. C'est un peu comme Benoît Paire. Benoît Paire, mais il a fait sa carrière parce qu'il ne pouvait pas se défoncer, s'engager pleinement à l'entraînement. On laisse finir SV, après on parlera. Mais le parallèle, il est extrême. Mais je pense que des joueurs comme Kyrgios, des joueurs comme Gaël, ils sont animés par quelque chose qui est différent. Ce n'est pas forcément les titres, les grands chelems, etc. C'est plus se faire kiffer et le rapport au public qui est important. Quoi. Benoît Mélin. Non, là, on mélange tout et n'importe quoi sans rire. Il y a des comparaisons qui ne sont même pas possibles. Kyrgios, ça n'a rien à voir avec des pépins physiques. C'est mental, lui. Le tennis n'a jamais été un plaisir, d'après ce qu'il raconte. Et même, voilà, c'est pour ça que le mec n'y était pas. Il joue un peu, il s'arrête, il s'en fout. Il n'est pas du tout là-dedans. Mon fils, on a toujours cette impression que c'est un glandeur. Mais ce mec-là se fait choper... Enfin, l'adolescence, il ne le sait pas. Il l'a appris plus tard par le docteur Montalvan de la Fédération française de tennis qu'il avait la maladie d'Osgood-Schlatter, qui est une énorme merde, qui te sépare ta rotule en deux. Donc, tu as une zone d'inflammation sur le tendon rotulien qui est quasi permanente. Donc, c'est pour ça, vous le voyez tout le temps avec son petit machin, et même maintenant, il l'enlève un peu, mais c'est des tendinites à répétition. Ce mec-là ne peut pas physiquement s'entraîner à 100% tout le temps, sinon, de toute façon, il est en douleur permanente. Donc, il gère son travail. Je suis allé plusieurs fois, le voir à l'entraînement, je peux dire que ça bosse, quoi. C'est pas le mec, je m'arrête, tiens, j'ai envie de prendre des vacances. C'est pas Benoît Paire, ça n'a rien à voir là-dedans. Non, mais personne n'a dit qu'il bossait pas, hein, personne n'a dit qu'il était indolent. Mais c'est juste pour que ça qu'après, sa priorité, c'était plus... C'est quand tu dis après, ouais, bah, le mec, tu vois, son prime, sa carrière et tout ça, mais comment veux-tu... À un moment, on arrive, donc on le dit, hein, 2008, là, les mecs commencent à perforer là, en 2008. Donc on est bingo one, Djokovic en naissance, Federer en feu, Nadal en feu. Et tout d'un coup, tu te retrouves avec un Gasquet qui a un verre à une main, qui physiquement n'a pas travaillé comme il aurait dû travailler. Là, on peut dire quelque chose sur Ricci, qui n'a pas travaillé physiquement pour se construire un corps comme il aurait dû l'avoir pour performer à ce niveau-là contre ces monstres. Tsonga, pareil, tu sais très bien que tennistiquement, il y avait des failles, notamment en retour. Après, il avait ce service de malade, mais dans l'échange du fond du court, il ne tenait pas. Tu avais un Gilles Simon qui n'avait pas la possibilité de finir un point parce qu'il lui manquait ça. Et Gaël Monfils, c'est pareil, bien sûr qu'il a un service. Mais après, le mec, tout son tennis a été basé sur l'attente.
Si tu joues ces mecs-là, un moment ou un autre, il faut que tu rentres, il faut que tu mettes le pied sur la ligne de fond de court, que tu attaques, que tu avances. C'est pas son ADN de tennis. Et il se force de temps en temps à le faire. Quand il essaye son match très bizarre contre Djokovic, parce qu'il sait très bien que s'il joue comme d'habitude, il n'y arrivera pas. Donc il fait n'importe quoi. Mais il te fait n'importe quoi, on est d'accord. Mais un moment ou un autre, ces gars-là se disent, mais qu'est-ce que je dois faire pour les battre? Mais ils ont pas. Ils ont une faille. Ce que les autres n'ont pas, quoi. Il faut bien se rendre compte que Nadal, Djokovic, Federer sont des dingues, ouais, mais, et que ces mecs-là n'avaient pas de faille. Et si même Sili, tu as réussi à avoir ce grand chelem. Mais parce que Murray, ça n'a rien à voir avec un mec comme Gaël Monfils. Non, mais un Wawrinka, un Sili. Andy Murray s'est foutu une hanche en l'air pour être au niveau de ces mecs-là. Stan Wawrinka a fini avec des trous comme ça dans le genou pour rester au niveau avec ces mecs-là. Mais parce qu'ils ont pu travailler physiquement jusqu'à en arriver là. Il faut quand même se rendre compte qu'ils vont finir en chaise à... En chaise, les mecs, là, porteurs. Hein. Et le problème, peut-être la chance de mon fils, c'est qu'il n'a pas pu travailler à cause de ce problème qu'il avait au genou. Pas pu travailler à fond. Parce que s'il l'avait fait pour essayer de se mettre au niveau de ces mecs-là, il se serait détruit, comme tous les autres. Tu ne peux pas dire à ces mecs-là, ah putain, quand même, ouais, c'est leur prime, quand même, ils auraient pu faire autre chose. Non, impossible de dire ça. Tu ne peux pas dire ça. C'est impossible, pas sur cette période-là. C'est bien sûr, tu crois qu'eux, ils n'ont pas les boules? Putain, mais ça doit être terrible d'être parmi les meilleurs joueurs du monde. Ils ont tous été top 10, 5, 6, 7, 8. Ils ont fait des résultats de maboule. À chaque fois, t'as qui? Federer, Djokovic, Nadal. Ah merde. Et qu'est-ce que tu veux faire contre ces mecs? Un moment ou un autre, tu ne peux pas. C'est pour ça que mon fils, on est tous là en train de dire, putain, il va y arriver. Mais quand là, il va jouer contre Alcaraz. S'il se met à 2 mètres derrière sa ligne de fond de court, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bah, il va subir. Et puis il est mort. Il n'y arrivera pas. Donc, ça veut dire que j'ai 47 ans. Il faut que j'avance. Bon, OK, j'y vais. Allez, je mets le feu. Je me prends une branlée. Tout le monde va dire, oh, putain, il a fait n'importe quoi. Je reste au fond. Oh, putain, il n'a pas avancé. Il est nul. C'est pris une branlée, il aurait dû avancer. Mais il est quoi, lui, sur le court? Tu crois qu'il réfléchit à quoi, le mec, là? Du mieux qu'il peut. Il essaye de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de mettre en place pour le faire? Mais est-ce que ma balle va le gêner? Est-ce que je vais bien servir? Est-ce que je suis au niveau? Je vais jouer un génie, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont très partagés. C'est toujours facile de taper sur nos quatre Français, mais je peux... Et quand ça va s'arrêter, là? David nous demande si Cilic avait plus de potentiel que mon fils, Benoît. Cilic? Non. Non. Bah non. Mais ils s'envoient un grand chelem. Bah ouais. Bon. C'est très partagé. Hein. Vraiment, c'est une discussion là où il y a vraiment deux camps bien définis. Enfin voilà, en tout cas, bravo pour Gaël Monfils. Il continue de nous faire rêver. C'est bien là le plus important. Soir. Et bravo à lui surtout. Ouais, parce qu'il est toujours en lice à Miami. Juju Monfils qui s'offre un match de gala cette nuit contre Carlos Alcaraz. Pour l'occasion, Julien Varlet, notre coach, revient sur les qualités de déplacement hors normes de l'Espagnol. La VAR de Varlet. Alors là, je suis curieux de savoir ce que tu as pu faire. J'ai fait un truc, c'est pas forcément dans le déplacement. C'est que, regardez, moi je suis fan absolu. J'enlève le haut du corps de Alcaraz, mais surtout son déplacement, replacement, son pied. Le pied est un truc exceptionnel chez lui. J'aurais aimé même le voir avec des pointes sur un 100 mètres ou un 200 mètres parce que je pense qu'il est exceptionnel. Non, sincèrement, je pense qu'il a un pied, il a une vitesse de pied que peu de joueurs, même aucun joueur n'a. Donc en fait, je suis parti sur un truc très simple. Vu qu'il se joue ce soir, c'est ce fameux décalage de coup droit. C'est pas du déplacement, c'est pas du replacement, c'est le décalage. Et je vais vous montrer que, on va dire 98% des joueurs, même, alors on va dire 100% des joueurs loisirs, parce qu'on parle aussi aux loisirs, on va pas parler chez les pros, un peu plus chez les pros le font, mais pas tant que ça. Et lui, il a cette qualité-là pour diriger le jeu quand il le souhaite avec son coup droit. Donc on a pris, hop, Alcaraz, mon fils, position de main de base. J'ai décalé un tout petit peu Alcaraz parce qu'on va dire qu'il va faire le jeu avec son coup droit. Deuxième phase, la zone où potentiellement il faut trouver pour essayer de gêner un adversaire ou Alcaraz. Parce que si tu joues un tout petit peu plus au centre, et ça c'est la deuxième... Là c'est vraiment tactique. C'est qu'en fait... Si tu joues un peu trop côté revers, quand il y a le décalage, c'est là où le joueur adversaire est le plus simple et le plus facile. Parce qu'il peut venir dans le contre-pied, il peut venir droit devant. Donc ça, c'est une zone, soit tu la trouves vraiment très très croisée, soit si tu te retrouves dans cette zone-là, là tu es dans la mouise, parce que là, ce soir, Alcaraz va décaler avec son coup droit, comme il a pu le faire déjà au premier tour, Courcabez-Baena, parce qu'il avait énormément de temps. Et là, il va faire très mal. Donc là,
c'était un peu l'aspect tactique, la zone de jeu de Gaël. Maintenant, je me concentre focus sur le déplacement d'Alcaraz. Donc, il va tourner autour de son revers pour les jouer en coup droit. Comme je le disais, 99% des joueurs, j'ai mis des petites croix jaunes, vont faire petit pas, petit pas, petit pas. Mais à un moment donné, si tu fais petit pas, bah, tu te retrouves un peu trop près de la balle. Et donc, tu ne peux pas délivrer le coup que tu souhaites. Là où il est monstrueux, Alcaraz, et vous le verrez, et c'est là où je trouve qu'il est exceptionnel, c'est que lui, c'est pas petit pas sur les 2-3 appuis, avec sa qualité et sa puissance de jambe, c'est qu'il fait des grands appuis pour se donner un maximum de temps, et c'est là où il est très très rapide. Au lieu qu'un joueur va faire 3-4 petits pas, lui va faire 2 grands pas. C'est pour ça que j'ai mis pas 2. J'ai mis... Non, mais, oui, pas mais... de bourré. Non, mais alors c'est quasiment pas saché, pas croisé. Et c'est pour ça que j'ai c'est mis de deux, la danse. J'ai mis deux grandes flèches, parce que lui va se décaler tellement vite. Il est un puissant, aérien et pointe de pied, qu'en fait, il va hop tourner autour de son revers. Et là, ce qu'il peut faire très très bien, il vient dans la zone, il se déplace, et là ensuite, il fait ce qu'il veut. Comme il fait très très bien, très souvent, il ouvre la main, hop, petit amorti décroisé. Soit il vient côté opposé dans le contre-pied de Gaël Monfils, ou soit on a pu voir encore contre Baena. Énorme frappe long de ligne. Là, le 172 km/h. Exactement. Hein. Et c'est là, s'il fait 172 km/h, c'est par sa qualité de pied et de jeu de jambes qu'il peut le faire. Je le dis et je le répète, en loisir, même chez les jeunes, on va faire petit pas, et on va, un, dépenser de l'énergie et être moins précis, et surtout avoir la balle un peu près du corps, et on ne peut pas délivrer la puissance. Lui, ce qui fait sa qualité première quand il décale coup droit, c'est qu'il fait 2 grands pas, très très larges, très puissants, avec la pointe de pied, et ensuite là, il peut envoyer. Et c'est ça, regardez ce soir, si vous regardez le match, quand il décale coup droit, ne regardez pas forcément le haut du corps, les pieds. Mais les pieds. C'est... Moi, c'est ça limite... te bluffe, hein. Ah non, mais je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur, et c'est pour ça qu'on en avait un peu parlé. Fédéraire, qui... quand même. Merde. Ouais, mais en décalage courant, je trouve qu'il est encore meilleur. Il est plus aérien, par exemple, plus aérien et plus puissant que les trois réunis, que Djokovic, Nadal et Federer. Il a ce truc, il a une réaction au sol qui est... Moi, je trouve ça hallucinant. Et j'aimerais le voir sur des tests physiques, parce que je pense qu'il a un truc qui est différent des autres, et c'est ça qui fait sa force. Et aussi, sa faiblesse, parce que quand il se fait sa petite entorse à Rio, c'est qu'il arrive légèrement pointe de pied, et hop, c'est là où sa cheville se dérobe. Il y a des joueurs qui seraient arrivés beaucoup plus, un peu plus lourds, et effectivement, il y a toujours ce parallèle entre les aériens et les terriens. Lui, c'est même plus un aérien, lui, il fly. On a l'impression qu'il gratte le sol, quoi. C'est vraiment une panthère sur les appuis, sur les reprises d'appui et les déplacements. Il est extrêmement vivace et dynamique, mais on voit aussi au niveau des jambes, hein, qu'est-ce que c'est galbé, quoi. Et je remarque également que Gaël Monfils fait ça très bien sur ses derniers matchs. Il décale super bien. Côté coup droit pour organiser avec son coup droit et faire des grandes bombes. Quand tu décales coup droit, il faut se laisser, limite, il faut trop décaler, ce que lui fait très bien. Parce que plus tu es près du corps, tu peux pas jouer si tu as le coude près du corps. Qu'est-ce que tu fais ? On va faire un parallèle. Attends, tac, tac. Tu vas vouloir frapper la balle à cette zone-là. Si ton bras est trop près, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas vouloir la jouer. Donc tu t'écartes et tu pars à l'opposé. Et donc tu perds toute la puissance et tout le contrôle. Lui se décale tellement bien que, hop, il est loin. Et là, tu peux jouer un peu plus avec le poignet, avec le bras. Bah, il joue et un peu normal. Et tu peux décaler. Et puis surtout, tu peux trouver les zones qu'il arrive à trouver. On est parti sur un débat dans le chat sur qui avait le meilleur décalage coup droit entre Federer Prime et Alcaraz. Ah. J'aime ça, moi, quand on parle là-dessus. Steffi Graf le faisait très, très bien aussi. Elle avait cette qualité de pied aussi d'un Alcaraz, avec moins d'explosivité. Mais quand elle dansait autour de la balle, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Mais moi je trouve que comment tu fais, quoi ? Parce que moi, je suis pas Alcaraz. Tiens, c'est ce que nous demande David. Est-ce que c'est faisable d'ajouter je travaille ça à mon alors, jeu, car ma vitesse, c'est ma force. Lui, c'est inné. Et puis, je pense qu'il l'entretient et il le travaille, ça c'est sûr. Maintenant, ce petit travail-là, c'est ce qu'on appelle le travail de pied. C'est d'être énormément en pointe de pied, c'est dans les échelles, faire de plot à plot, dans des petites zones où tu dois soit à la corde. Là, tu travailles le pied un maximum. Ah, c'est ça, l'échelle au sol, voilà. Là. Muscler vos orteils. C'est de la coordination. C'est de la coordination. Je rigole, je suis là pour faire des tags. Alors, là, on rentre dans un aspect plus préparable physique, mais c'est sur le court, tu le travailles très basique. À la main, hop, t'envoies une balle, tu décales, tu tournes autour d'un plot, tu reviens, tu repars, tu fais 3-4 appuis, hop, petit pas. C'est grand pas, petit pas, petit pas. Et alors, qu'est-ce qu'il doit faire, mon fils, pour l'empêcher de faire ça ? Faut jouer avec le coup droit ? Ben, soit il trouve vraiment bien la zone très, très croisée, comme je le disais, attends, je reviens là. Parce que si tu fais un croisé court, tu l'emmerdes quand même.
Ben, ça, c'est la zone qu'il ne faut pas trouver, tu vois. Soit il vient beaucoup plus croisé, ou alors, de temps en temps, quand vous avez un adversaire qui décale énormément et très très bien, allez plein coup droit. Comme ça, vous lui donnez moins d'angle. La prostate de Kita sur Twitch nous dit « Mais nous, en loisir, si on fait des grands pas pour se placer, on arrive comme des peintres sur la balle, Juju. » Mais c'est pour ça que je dis « grand pas, petit pas, petit pas. » Tu fais pas c'est que des grands chanson. Pas. Grand pas, oui, grand pas, petit ça. Pas, petit pas. Mais à quel moment tu dois le faire? Parce que des fois, tu vois bien, t'as peut-être le temps, mais des fois, tu l'as pas. Ah bah après, ça, après, tout dépend comment la balle arrive et comment tu vois le jeu aussi. Mais il faut que la balle soit courte, elle peut pas être, si elle est profonde, t'as pas le temps. Ah non, si une balle arrive... Non, là, quand je parle décalage courant, c'est que t'as quand même un minimum le temps pour tourner autour de la balle. Si t'as une balle puissante, qui est, ou on va dire très longue... Dans un angle, tu peux pas le faire. Ça veut dire c'est que si mon fils gratte en revers ou en coup droit en étant un peu loin et l'amène comme ça sur cette zone-là, on est sûr qu'Alcaraz, il va tourner autour et l'allumer, quoi. Ah bah, il y a des chances où il donc va prendre tôt avec son revers. Ça veut dire que si Gaël se met 2 mètres derrière sa ligne de fond de court, il est mort, quoi. Oui, puis en plus, il y a toujours l'aspect, c'est géométrique. Plus t'es loin, plus tu défends. Et avec Alcaraz qui trouve les angles... Là, question de Paul sur YouTube, que ça intéresse beaucoup. Est-ce qu'il y a des muscles en particulier à travailler, Juju, ischio, adducteur? Bah après, on revient un petit peu sur, de base, le jeu de jambes est exactement le même. Par contre, effectivement, sur terre, tu fais différemment. Tu viens en glissade pour aller chercher. Pour moi, la puissance vient du sol. Et ensuite, le haut est une conséquence de ce que tu as engendré en bas. Ça veut dire que plus tu es solide en bas, plus tu peux délivrer de la puissance. Tu peux faire ce que tu veux, mettre des cartouches en haut. Si en bas, tu es sur pointe de pied, tu peux rien délivrer. Effectivement, le travail se travaille au niveau des mollets, au niveau des ischios, pour être bondissant, pour aller chercher cette position-là. Ouais. C'est, de toute façon, c'est... il n'est pas humain, ce mec-là. Parce que t'as l'impression qu'il a l'assise d'un Nadal, donc t'es rien très ancré dans le sol, et en même temps, il est Baryshnikov dans le déplacement. C'est là le truc qui va pas par rapport à tous les autres. C'est-à-dire, pas du Djokovic, c'est pas aussi explosif. Bah, même tu prends, allez, on va en concurrence, parce qu'ils vont être sur... Un Sinner est pas du tout pareil. Bah non. Sinner est exceptionnel, mais tu le vois se déplacer, t'as l'impression que... Un peu pâteau par rapport à Alcaraz, quoi. Mais Agassi aussi, il le faisait très bien. Il tournait très, très vite autour de son revers. Hein. Mais il n'avait pas ce côté... C'est ça qui est dingue. C'est mauvais, mais il me fait penser à un danseur. Quand tu parlais de pointe, je pensais à des chaussons de danse, moi. J'ai vraiment l'impression que c'est un danseur, quoi. Il va tellement vite. Et il y a une telle coordination, après, dans... Parce qu'il faut tourner, bien lire, bien se positionner après, pour pouvoir lâcher ça. Quoi. Après, c'est dingue. Ça part de beaucoup de choses. Ça part déjà de l'œil. Il faut avoir l'œil pour pouvoir sentir la trajectoire de la balle. Ensuite, la connexion de l'œil au cerveau qui envoie l'information aux jambes pour ce fameux décalage. Et ensuite, le petit pas pour être dans la bonne zone pour frapper. Parce que je reviens, alors après on rentre vraiment dans la technique, mais le plus important, c'est ce que je dis toujours, on s'en fout de ce qui se passe avant ou après. Le lasso, mais c'est le plan de frappe. C'est ton plan de frappe qui est devant, qui va faire que tu vas avoir un bon coup ou un mauvais coup. Tu frappes derrière, t'es pas bon. Tu frappes bien devant, là, tu peux la mettre où tu veux. C'est ça. C'est la base de la base, c'est d'avoir le plan de frappe devant. Merci, Juju, pour tous ces détails techniques. Faut bosser, quoi. Faut bosser. Il y a du boulot. Il y en a qui ont bien bossé, il y en a qui ont moins bien bossé. C'est le bilan de la semaine challenge. Oh, trop fort. Valof, ouais, c'est vrai que chapeau Valof aussi, il est rapide. On va faire les tops et les flops. N'hésitez pas à en parler aussi, vous. C'est sur la semaine au global. Il y aura évidemment beaucoup de Miami, mais pas que. Mais pas que. D'ailleurs, le top de Benoît Mélin s'appelle Fonseca. Ah, putain. Et il n'était pas à Miami, Fonseca. Non, mais parce que c'est vrai qu'on a fait ça tôt et j'attendais tu la finale. Tu peux rajouter des tops. Hein. Bon, puis il a fait une finale de dingue. Hein. Ouais, j'attendais la finale au Paraguay, là, à Asunción. Sur terre battue, avec son très beau parcours. Hein, je regardais, là, donc il a joué des joueurs qui, dans l'absolu, sont mieux classés que lui, à part le Paraguayen qu'il a joué au deuxième tour, là, qui était millième, je crois, un truc comme ça. Mais il a joué du compatriote en sauvant 2 balles de match là, contre Orlando Luz. Gros match. Derrière, il arrive en demi contre Buruchaga. Tu dis qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Il est mené 3-1 dans le troisième set. Il arrive à s'en sortir. Tu dis putain, ça devient costaud. Et on arrive sur cette finale contre Gustavo Haidou, qui est aussi un autre brésilien, un peu plus âgé, je crois. Il a 22 ans, un truc comme ça. Enfin, beaucoup plus âgé, 22 ans. Et tous les deux n'ont pas gagné de tournoi professionnel. Tu vois, que ce soit de futur ou de challenger. C'est un premier titre pro pour l'un comme pour l'autre. Et le match, il est dingue. Parce que quand il arrive à revenir à un set partout
en sauvant une balle de match dans un point complètement fou, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec cette espèce de demi-volée entre les jambes au filet pour sauver la balle de match au deuxième set, revenir à un set partout. Et après, effectivement, je pense qu'il est fatigué. Le mec, il a eu des matchs un peu très très chauds là sur Terre, avec toute la pression et le public était fou. Là, c'est là où, tu vois, avec son jeune âge, d'aller jouer là-bas, d'aller gagner des matchs, et là il prend de l'expérience. Et puis tant qu'il du temps de jeu, de l'expérience sur terre battue, et déjà à son jeune âge tu sens qu'il est quand même complet, tu vois, et tactiquement il est déjà en place. C'est vraiment, c'est, moi je l'ai vu jouer, je fais le parallèle parce que je l'avais vu jouer l'année passée, il avait joué Titan Droguet et j'avais suivi le match, tout le monde en parlait déjà, mais il était très très loin, et Titouan avait perdu déjà, et je trouvais que c'était brouillon, techniquement en place, et là tu sens qu'en un an le mec il a pris, et d'aller chercher de les terres battues, tous ces challengers là, c'est chaud. Et j'en rajoute une dernière couche et après j'arrête, c'est le côté aussi, après Rio, de prendre cette décision de passer pro, de ne pas aller en université américaine, de dire ok, j'y vais, c'est ma vie, c'est ma carrière, et il ne gagne pas de match. Ça, à partir du moment où il prend cette décision, il n'y a que des défaites d'entrée, quoi. Et il arrive là en se disant, enfin, je ne sais rien du tout ce qui s'est dit, mais le mec, c'est vrai que maintenant, dès qu'il arrive sur un court, tout le monde veut voir le phénomène, quoi. Donc, il y a quand même une pression, j'imagine, inhérente par rapport à tout ce qu'il va faire sur un court. Ce match où il sauve deux balles de match, la finale dure plus de 3 heures. Hein, je crois que ça fait 3 heures et quart. Et tu te dis, le gars, il est en place, quoi. Et là, il est aux portes du top 300. Il est invité, je crois qu'il a wildcard à Estoril. Il va jouer ses petits matchs sur terre battue. Le gars, d'ici à la fin de l'année, pour moi, vu ce qu'il est capable de faire, mais je pense qu'on le reverra. Mais dans l'excitation, je voudrais bien le voir à Roland Qualif. Oh ouais. Mais bon, là, je crois qu'il est 2,80, 2,90. Il faut être 230. Mais je trouve que effectivement ce gamin est un phénomène aussi. On reste côté gamin parce que le top 17. De SV s'appelle l'Andalous. Celui-là aussi, il est l'Andalous. Pas mal. Bah, j'ai beaucoup aimé son match contre Mouna, première victoire pour un 2006 sur le circuit. Wildcard en plus, ouais. Il fait un premier set vraiment de grande qualité et puis ensuite on sent que mentalement il va commencer à avoir un peu les chocottes. Et c'est la sortie du court à la fin du deuxième set qui va le remettre dedans. Mais moi, je trouve que c'est un joueur qui est déjà très complet à son âge. Belle panoplie, capable d'avancer dans le court et de distiller quelques petites amorties en coup droit de temps en temps. Alors, il fait 1m91. Je pense qu'au niveau du service, il peut s'améliorer. C'est au niveau des zones, au niveau des effets. On sent qu'il y a, il y a une marge de progression par rapport à ça. Shelton lui a dit, après sa victoire, que ce serait potentiellement un très bon joueur de tennis, ce que j'approuve, hein, parce que je trouve qu'il a déjà un socle assez intéressant. Au niveau des appuis, pour revenir sur ce que disait Julien, peut-être que ça manque un peu de mordant, c'est un peu flottant, je trouve, sur les déplacements. Bref, il a 18 ans, il vient d'avoir 18 ans parce qu'il est de janvier 2006, donc il a de toute façon toutes les années devant lui pour progresser, mais c'est un jeune Espagnol qui pousse et qui a des fondamentaux super solides, pas forcément de faiblesse manifeste, et je pense une belle marge de progression pour aller intégrer très rapidement le top 100. C'est quand même... Tu te fouettes à la place de l'Andalouse, parce que tu dis Shelton qui dit « ouais, mais... » Ah, c'est bien. Ouais, Shelton. Et il a quoi? Il a 3 ans ouais, plus. 3 ans plus, ouais. Et il lui fait mais peur. Mais déjà plus d'expérience. Il est déjà en train de lui quand faire mal. Quand tu vois la balle de match, là, tu es en train de lui faire un trou dans le bide, ouais, elle va s'en prendre au centre. Et tu dis, ouais, non, mais tu seras bon. Oh putain. On a beaucoup de tops sur le chat. On a des tops féminins. On a Caro Garcia, on a Iga Świątek, on a Maratch, on a Arnaldi. Alors, vous savez quoi? Le top de Julien Varlet, on va pouvoir distiller plein de noms parce que c'est le niveau de jeu à Miami. Ouais, moi, j'ai trouvé que. Donc là, on peut se faire plaisir. Et débriefer un c'est peu. Bien ça, c'est bien ça. Non, mais sur je suis pas pour les 12 jours. Parce que ça a été long à se lancer quand même. Mais là, depuis 2 jours, je trouve que c'est bien. C'est vrai. Grâce à la pluie. Ça m'a. À la pluie, c'est à tout. Vrai, à tout c'est vrai. Ça m'a réconforté. Mais moi, on rentre sur un tournoi normal. J'attends juste Monte Carlo. Qui t'a fait plaisir hier, particulièrement. Mais moi, je mettrais encore plus l'accent, mine de rien, sur Jarry. Oh là, le match contre parce que les mecs, ils gagnent 3h35 au premier tour, 3h encore hier, et très tendu sur la fin. Et je trouve qu'il a été, mais... Après, c'est pas une victoire en grand chelem de ça, mais exceptionnel, parce qu'il y avait des Brésiliens qui foutaient vraiment le bordel, qui l'ont vraiment embêté pour conclure. Il sert pour le match, pas simple, et je trouve qu'il est vraiment resté concentré. Alors après, il y a eu un petit échange avec Nacho Forcadell et Jerry Armstrong, mais je trouve, voilà, Jarry,
c'est pas le plus bankable, c'est pas le tennis qui fait rêver pour certains, mais je trouve que sur la fin, il a été très intelligent, il a frappé un peu moins fort, il est venu dans les angles, donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis, dans les Stakhanovic, je mettrais aussi Murray, parce qu'une fois de plus, j'ai du respect pour lui. Hein, mais bah, c'est un top partagé, un top, ouais, ouais. C'est une fois de plus, ouais, il perd, sur Maratch, il est là, il joue au fond du parking et il s'accroche et il se bat et il fait son truc pareil en plus de 3h28 hier, plus de 2h au premier tour. Donc voilà, mais je trouve que voilà, effectivement, moi dans la globalité, et je parle aussi un peu des filles, il y a eu des bons matchs aussi hier, on a eu un match énorme entre Swiatek et Noskova aussi. Donc voilà, je trouve que ça m'a un peu réconforté avec le 12 jours, même si on va zapper les deux premiers jours. On nous a demandé, on nous demande sur le chat qu'est-ce qu'on a pensé de Sinner. Ça a été compliqué contre Griekspoor. Ça a été compliqué. Il y a un moment donné, au début du deuxième, où Griekspoor a des balles de break. Et ça peut faire un set, un break. Je trouve que Sinner, à ce moment-là, on voit qu'il est tout rouge. Il a du mal à trouver son souffle. Et on peut-être pressentir que ça va être une petite fin de cycle pour lui, avec cette défaite à Indian Wells contre Alcaraz. Et là, sortir contre Griekspoor, ce sera encore plus marquant en termes de défaite. Et il va réussir à sortir... la tête de l'eau, en durcissant, en trouvant des petites amorties, il va réussir à tenir jusqu'à l'interruption de pluie qui a duré 50 minutes environ. Et à partir de là, quand il revient, voilà, il a réussi à reprendre un peu l'ascendant et Griekspoor a fléchi logiquement. Griekspoor, c'est un joueur mentalement qui peut être un peu fébrile de temps en temps. Mais victoire au couteau de Sinner. Il ne faut pas oublier que la veille, il a gagné 7-6, 6-7, 6-4 quand même. Donc même si, moi j'avais échangé avec Chris Wilgen, son entraîneur, il m'a dit il est vraiment bien, il va essayer d'être hyper agressif. Ce qu'il a essayé de faire, mais je pense qu'à un moment, début du troisième, il manque un peu de gaz, et au contraire, la rigueur, les zones de jeu de Sinner le font exploser physiquement. Ah, il a fait mal avec son coup droit d'export. Hein. On voyait sur les statistiques droit, de vitesse. On avait parlé de son service. Énorme. C'est lourd. Il a vraiment des frappes très lourdes dans l'export. Ah, ouais. Mais ouais, mais. Enfin, bon, ouais. Mais il passe pas. Tu tiens pas le niveau. Non. Tu tiens pas. Il perd 5 points sur sa première balle de service, hein, sur l'intégralité du match, Sinner. 5 points. Et le match, il est chaud. Et tu te dis, bah ouais, d'accord, putain, où est-ce que je le chope, lui, quoi. Donc, il faut que je me défonce comme ça pendant combien d'heures, là, pour arriver à le... Mm-hmm. Je sais pas si... à Miami, il en est à combien de victoires, de défaites dans ce tournoi? Parce que le mec, il fait des finales en permanence, ouais. Enfin, le mec, il a dû perdre 3 matchs à Miami dans sa vie. Ma première finale Masters, mais c'est contre Urkash. Ouais. Donc... Et il perd contre Medvedev l'an dernier en finale. Passé, il aime bien les conditions. Ouais. Et il abandonne en quart de finale il y a 2 ans. Donc le mec, il a perdu 3 matchs à Miami. Ça lui va bien, ce dur. Et je me rappelle que lui, c'est O'Connell. Hein. Oh bah, il va le découper. O'Connell. Ou Arnaldi, ou Marchak. Mais à O'Connell avec son revers une main, malheureusement, même si j'adore O'Connell, il va le En parlant des Italiens, ouais, c'est le top italien aussi, Arnaldi. Musetti, qui a battu Safiulin, quand même. Ça fait partie aussi des tops de la soirée. Non, mais t'as raison, mais bien sûr, c'était des bons. Mais tu te rends compte que les mecs sont chauds patates. Hein, parce que O'Connell, dame, là, ça a été chaud quand même, hein, entre les deux. Là, quand l'autre, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il s'est pris un coup de chaud, le O'Connell. Au moment, juste après un point, il dit « Oh, mais t'arrêtes de parler juste avant que je serve, là, t'as dit out, ou je sais pas quoi, et t'as le dame qui arrive, le Golgot. » Il est tanké, et limite, je le trouve pas hyper fit. Je pense qu'il va falloir qu'il te bosse un petit peu, parce que limite, il a un peu de... Il a mis la bête, quoi. Et le mec, il arrive, il dit « Mais qu'est-ce que t'es en train de me dire, là ?» Et puis, t'as le O'Connell, il se démonte pas, il dit « Mais attends, tu me fais pas des trucs comme ça. » L'arbitre « Ah, mais vous arrêtez de parler entre vous, hein, parlez-moi à moi, et quoi, taisez-vous. » Et pareil, le Sebot Wild de Jarry. C'était chaud. Ah oui, là, c'était chaud. Ah oui, là, c'était chaud. Sebot Wild, le tennis est très beau, hein, mais je pense que c'est une énorme saloperie, ce mec. Parce que même, tu vois, sincèrement, la poignée de main, fais un match de plus de 3 heures et tout ça. Ah, il court au filet, il met sa main comme ça, il attend. Peut-être qu'il y a un antécédent entre les deux. Ah non, mais il a essayé de pourrir le match, hein, parce que lui, je pense qu'il avait les boules, qu'il y avait plus de Chiliens chauds que... Ouais, mais les Brésiliens, ils étaient présents. Ils étaient là aussi, quoi. Et il a vraiment essayé de pourrir ce match sur la fin, dans le troisième set. Il part comme ça devant, t'as Jarry qui est en train de parler à l'arbitre, il passe devant comme ça avec le sac, genre dégage. Tu te dis, mais putain, les gars, waouh, ils sont
chaud, là. Il y a Casper Ruud qui sort aussi beaucoup dans les tops. Sébastien qui nous dit, mais il faut parler de ses 18 victoires sur dur en 2024. Je suis choqué qu'on n'en parle pas. Il est celui qui est le plus gagné sur la surface, Casper Ruud. Ouais, c'est parfait. Moi, c'est on en parle souvent, Casper Ruud. On en parle très souvent. C'est son coup droit que j'ai trouvé extraordinaire, là, contre qu'est-ce qu'il fera fort. Fukina. Et là, je trouve, ouais, effectivement, qu'il le gratte beaucoup moins, bah ouais, et il est beaucoup plus en puissance. Mais effectivement, et la fin de match est très très compliquée parce que le jeu de 5-4, il peut revenir, il les mène 0-40, Fokina, il revient à 40, il a balle de match, égalité, balle de match, et il a vraiment été, il est allé le chercher, mais surtout je trouve qu'il frappe effectivement extrêmement fort en coup droit. Il sauve toutes, il a 7 balles de match contre lui, il les sauve toutes, et il l'a dit, il a confirmé qu'il avait perdu entre 5 et 6 kilos à l'intersaison, au lieu d'aller faire le guignol avec Nadal en il exhibition. Il en a perdu hier aussi. Et ouais, mais ça se voit, il est vachement plus rapide, quoi. Il est plus rapide. Hein. Il est bien, il est fit, il est vraiment ouais, bien dans. Et chez les femmes, on a quand même eu la victoire de Caro Garcia contre Naomi Osaka. Hein. Ouais. Donc ça, c'est quand même. Ouais. Bah oui, quand même. Non, mais j'avoue, tu es honnête ou pas? Toujours dans son filet. Allez, vas-y. J'ai regardé le match et j'ai pas du tout aimé. Je suis désolé. Ouais, bon, on était d'accord. Non, je suis désolé. Il n'y a rien. Ça frappe, ça sort, ça pam, pim, poum. À aucun moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même une. Alors, elle gagne. Je vais me faire critiquer, je vais me faire taper dessus. Non. Mais elle gagne, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une construction tactique, une mise en place tactique. Alors après, si c'est ça le tennis, ah bah oui, bah, allez-y. Et tu l'as vu, la mise en place tactique de Osaka, toi? Ah non, mais c'est la même. C'est pareil. Façon, hein. C'est un miroir. Donc, On est dans l'urgence. La balle arrive. Mais... Oh putain, qu'est-ce que je fais avec la balle? Je cogne. Alors après, elle nous a... effectivement, elle était très très bonne au filet. J'ai trouvé qu'elle était en beaucoup de contrôle sur ses volets. Mais j'ai pas aimé. Mais j'ai pas aimé. Il pouvait se passer n'importe quoi dans ce match. Heureusement, c'est tombé mais du côté de Caro. Ouais, parce qu'au CN Dodin, tu vois, quand elle a ses balles de 5 jeux à 2, je me dis oh, il va se passer quoi. J'essayais de les calmer, mais franchement. Miser en direct. Mais attends, la fille, elle tient plus debout au bout de 20 minutes. On passe au flop. Le flop de Benoît Mélin s'appelle 11 Jabeurs. Bah ouais, ouais, ouais. Elle me fait peur. Elle me fait peur. J'avoue, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est les histoires hors tennis qui la perturbe, elle n'est pas concentrée sur son tennis, ou est-ce que c'est le genou qui l'embête, qui elle a toujours mal, est-ce qu'elle a toujours ce Wimbledon dans la tronche, est-ce qu'elle ne pense qu'à ça, qu'à quoi, j'en sais rien, mais elle n'y est plus du tout. Ouais, elle n'y est plus du tout. Il n'y a plus la flamme, il n'y a plus du tout de plaisir sur le cours. Souvenez-vous de ce sourire rayonnant, on l'appelait la ministre du sourire. Oh, bon, j'ai peur pour elle. Et j'ose pas y penser, pourtant j'y pense. Voilà, elle n'est pas jeunette non plus, quoi. Elle a fait tellement d'efforts pour arriver à ce top 5, à être en finale de Grand Chelem, à être à ce niveau-là. Est-ce qu'elle n'a pas atteint, malheureusement, déjà ce sommet de sa carrière, et qu'on ne serait pas sur une espèce de lente agonie de désillusion sur désillusion. J'ai pas envie, mais j'ai très peur pour Anjaber. Le flop de SV, il y en a deux. Double flop. Tim et Runeux. Alors, Runeux, c'est Nelson Montfort. On va commencer sur Holger Runeux parce que, évidemment, comment ça, vous ne parlez pas d'Holger Runeux? Nous y sommes. On va focus un peu sur Runeux, Tim. Il viendra après. Lui, c'était en challenger à Zadar. Runeux, bah, que dire, il a sorti un match, les tontons, là. 1-1 contre Marozsán. Sur le central, en plus. Compliqué. Alors certes, c'est prime Marozsán. Marozsán a été énormissime, je trouve. Grosse pancarte dans tous les sens. Un petit revers, là, en demi-volée, longue ligne. Il aime bien les tops. Qu'est-ce que tu veux faire? Trop chaud. Moi, il m'a fait vraiment trop fort. Il est passé après sur les réseaux, c'est quand il fait son lob gagnant, là. En fait, il croit tellement qu'il n'est pas bon. Il va se replacer. Ah merde, il est bon, j'ai fait un lob de dingue. Hop, j'ai gagné le point. Ouais, le mec limite. Bon, c'est assez marrant. Prime Marozsán, incroyable. Par contre, Runeux, de son côté, l'attitude n'était pas là. Alors, il a dit ensuite sur les réseaux sociaux qu'il était malade, qu'il avait hésité à jouer, que finalement, il était content d'avoir joué parce qu'il n'avait pas fait toute cette préparation pour rien. Mais dans l'attitude, la manière qu'il a eue de lâcher très vite le combat, de même pas se battre sur les coups, sur les points. Et puis, quand il est agressé sur son coup droit, on voit, il ne fait pas l'effort. Et ça, c'est un pattern qu'il a depuis des mois et des mois. C'est quand il est pris comme ça en accélération sur son coup droit, il va essayer de la jouer le plus fort possible sans s'ajuster. Et ce qui est particulier, je trouve, avec ce joueur, c'est qu'on a vu une belle phase à Acapulco. Mais sinon, c'est très sinusoïdal, sa carrière, ces derniers mois. Il est capable de très bien jouer, de très bien articuler son tennis. Et puis, d'un autre côté, parfois,
Tu sens qu'il lâche complètement les rencontres. C'est aussi irrégulier que son entourage. Ouais, bah, c'est ça. Et à un moment donné, tu ne peux pas toujours te dire ouais, bah, c'est la faute de Becker, c'est la faute de Lüthi, c'est la faute de Mouratoglou. Je pense qu'il faut qu'il se responsabilise un petit peu. Mais il était peut-être vraiment malade. Oui, non, mais il était malade. Mais là, il a sorti un match qu'on a déjà vu quand même plusieurs fois ces derniers mois. Et moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui a quand même pas mal d'orgueil et d'ego. Il a du mal à le laisser de côté. Et à essayer de se battre dans la douleur avec son niveau de jeu moyen, essayer de faire baisser le niveau du gars en face. Alors là, c'était peut-être le pire match pour le faire parce que Marotsan était en feu complet et il n'a pas réussi à lui faire baisser son niveau. Mais je trouve que c'est une rencontre qui montre un peu les limites de Rune dans son évolution. Comme dit Benoît, peut-être, effectivement, on peut le croire, il était réellement malade. Mais ce qui fait que les mecs sont forts et les plus forts, c'est leur niveau de jeu moyen. Et moi, j'ai la sensation que il n'a pas ce niveau moyen qui lui permet quand même de gravir quelques matchs. Même s'il est dans le dur, il peut se raccrocher à une base. Voilà. Tu as l'impression que cette base, il ne l'a pas. Et c'est ça qui m'inquiète. Est-ce que c'est pas un joueur de surface lente, entre guillemets? Le dur externe, il a du mal sur le dur externe. Parce qu'il fait quart à Indian Wells. Donc, là, oui, bien sûr. Là, on voit ce match, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette brêle? Mais bon, il est peut-être vraiment malade ou je sais pas, enfin j'en sais rien, de toute façon, on ne sait pas. Mais il fait une finale à Brisbane, enfin tu vois, sur des surfaces, on va dire, comme ils appellent ça, medium slow, il est là. Là, on est sur une surface plus rapide. Bon. Ouais, mais sa qualité de service, normalement, tu vois ce que je veux dire? Ne serait-ce qu'à part son service. Mais si le mec, il est tout mou. Je sais pas, moi. Enfin, j'en sais rien, de toute façon, puisqu'il disait qu'il n'aurait pas dû venir sur ce cours et que, comme tu dis, voilà, bon, bah, finalement, je suis venu et tout. Parce que, Picasso nous dit Bercy, c'était lent pour Rune. Ah, bah, c'était plus lent. C'est plus lent que Miami. Ah, bah oui, là. C'est plus lent et cette année, c'était un peu plus rapide. Ah, ouais, non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus abrasif. La balle, elle prend, il a le temps de préparer. Mais c'est emmerdant parce que ça jette une petite tache de doute sur Marozan. Parce qu'on dit, ouais, il bat Alcaraz à Rome, mais qu'est-ce que foutait Alcaraz à Rome? Là, Rune, il était. Voilà, tu vois, tu dis, il a fait un grand match marocain. Le gars, il bat que des top 10 en Masters 1000, c'est toujours, il a de la chance. Mais à un moment, le mec, il fait quand même un super match, quoi. Bah, en fait, quand il est marocain, quand il joue son niveau max, c'est un niveau qui est effrayant, vraiment. Hein. Il est super fort, il t'asphyxie, il rentre dans le cours, ensuite, il met ses petites amorties, il est injouable. Il y a peut-être ça parce qu'il dégage pas. Et qui est contre Popirine? C'est quand même ouvert. On va en parler juste après. On nous dit en flop, est-ce qu'on peut mettre aussi les Français, Humbert et Manarino? Est-ce qu'on les met en flop? Humbert, ouais, peut-être. Ouais. Ah, les deux. Mais Manarino, oui, bah, aussi. Même, parce que ouais, c'est contre-performance. Ouais, c'est pas faux. C'est contre-performance. J'ai pas pensé à ça, mais ouais. Bah ouais, parce que Hugo... Merde, tu l'attends, quoi. Tu l'attends sur ce Indian Wells Miami. Ben alors, ouais. Indian Wells, tu dis, OK, bon, ça accroche un peu, d'accord. Mais Miami, on l'attendait. Mais le mec, il fait... Le mois de mars, c'est deux victoires, deux défaites. Mais c'est sa prochaine étape, quoi. Les Masters 1000, les Grands Chelems, c'est passer l'étape d'après maintenant. Et là, surtout pour Hugo, ça va être, on arrive sur terre battue, c'est carrément passé à surface. Et je pense qu'il nous montre peut-être un peu que est-ce qu'il a vraiment dans la raquette le top 10 là, ces prochains mois, j'ai des doutes. Je pense que là, ça va être difficile pour lui sur la saison sur terre. Si on continue comme ça, en restant dans l'instantané, Gaël Monfils est numéro 1 français à 38 ans passés à la fin de l'année. Hein. Parce qu'Arthur Fils, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Luke Avanaché, pour moi, il n'est pas à ce niveau-là. On arrive sur terre battue avec Manarino et Hugo Humbert. Peut-être pas là qu'ils vont gagner des points. Et tu te dis, mais et l'autre, là, en feu, là, le Gaël, le blanc-rouge. Mais pourquoi pas? Tout est possible avec Gaël Monfils. C'est ce qu'il faut retenir de cette émission. Tim, lui, c'est compliqué. Le champ des possibles est compliqué. Ouais, alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai regardé son match. C'était juste avant Shapovalov. J'ai regardé son match du début à la fin. Et d'ailleurs, il est perdu sur qui? J'ai même pas. Il a perdu contre Neumeyer. Horrible. Oh ouais, horrible défaite. Il prend 2-1. Alors, juste parenthèse, on parlait de mecs qui se sont tués physiquement pour arriver au Graal d'un grand chelem. Ah bah lui, c'est ça, mais. Lui, il y a cette victoire à l'US Open, mais il y a surtout cette blessure au poignet à Majorque la saison d'après. Et je trouve que c'est triste. Oui, c'est triste de le voir jouer au tennis parce qu'il fait plus mal du tout. Oui, mais tu sens qu'il cherche encore et toujours. C'est ça qu'il faut louer aussi. Mais comme les autres. Hein. Ouais, mais quand tu n'arrêtes pas de résultat, c'est encore pire. Tu as aussi les exemples de Murray qui s'accroche, qui essaie de se battre, Murray, qui est là. Il a plus de résultats. Ouais, justement. Mais Tim, du coup, je pense que Tim... Fin fond du...
Tim, il doit se dire, allez, en m'accrochant, en jouant, ça va revenir, parce que voilà, je suis quand même un gars qui a regardé droit dans les yeux le Big Three pendant des années et des années. J'ai remporté mon majeur dans des conditions très particulières peut-être, à l'US Open en 2020. Peut-être, mais ça reste un majeur remporté. Ça reste un majeur, ouais. Mais sa balle fait plus mal du tout. Il fait des fautes en pagaille, on dirait Félix Auger-Aliassime en pire. C'est catastrophique. Ouais, puis t'as l'impression, il force énormément ouais, pour une balle qui fait plus mal, quoi. Et Neumeyer, en voyant en face, quasiment sans effort, il distribuait, il le faisait défendre, en plus dans un cadre à Zadar qui était tellement loin de son standing historique. Mais en Hongrie, la semaine d'avant, il se fait défoncer aussi ouais. par un 300 ou un truc comme ça, non? Bah, là, en fait, il ne va pas à Naples. Il a décidé de ne pas aller à Naples parce que il est touché, quoi. Et je pense que c'est... Et il fait pas Indian Wells, Miami, les qualifs et tout ça, parce qu'il veut se préparer sur terre battue. Et puis il a parlé de saison de la dernière chance, qu'il a... Il a dit, hein, ouais. Il a annoncé que ça... Qu'il voulait revenir dans le top 50, etc. Moi, je suis triste de voir ce joueur-là à ce niveau-là, parce qu'il a complètement perdu son tennis. Histoire de lire, nous dit sur YouTube, Juju, il faudrait analyser ce qui s'est passé pour Tim sérieusement. Comment on explique cette chute Je viens de le dire. Maintenant, sur un plan tennistique, je pense qu'il a... Massou l'avait fait un peu évoluer quand il a gagné Indian Wells en battant Federer, en venant un petit peu vers l'avant. Et avec sa blessure, il a voulu se rassurer, repartir dans un style de jeu, dans ses fondamentaux, un peu loin, frapper très fort et faire le jeu maximum. Mais le problème, c'est que je pense que physiquement, il a un peu vieilli aussi, donc il est moins en point. Et ce style de jeu demande énormément d'énergie, et ce qu'il ne peut pas développer. Et surtout, je pense que les joueurs progressent. Les niveaux de jeu progressent, les styles de jeu avancent, et lui, son style de jeu, il n'a pas avancé, quoi. Et on est sur des joueurs, sur des filières longues, qui jouent des matchs à répétition de très très haut niveau. N'oubliez pas Del Potro, il a fini son poignet. Tim, quand tu arrives à faire des successions à Roland-Garros pour aller jouer les dingos, là, notamment le Rafa, avec un revers à une main, à cogner, comme si tu envoyais des menhirs à chaque fois, comme par hasard, ça pète, quoi. Retour impossible. Oui. Ah oui. Oui, oui, retour impossible. Je ne sais même pas s'il rentrera de nouveau dans le top 100. Ça me rend super triste. C'est pas le déplacement, tu vois, c'est pas les jambes. Non, non, non. C'est le poignet. Et donc, à partir de là, regarde Tsitsipas. On ne sait pas ce qui se passe avec ces mecs-là. Des revers à une main en plus. Ils ont été opérés, pas opérés, microchirurgie, c'est quoi le problème? T'as eu une attelle, mec. Et puis les mecs, tout d'un coup, ils n'y arrivent plus du tout. Pourquoi? Quand même étrange. Tu parlais de Stefanos Tsitsipas, je lisais dans les différents chats, comment ça, il n'y a pas Stefanos en club cette semaine? Vous inquiétez pas, Julien Varlet s'en est chargé. Alors non, moi c'est pas que lui. Oui. C'est toi moi, qui c'est, l'as pris. C'est l'amour avec un grand A. C'est le couple. Mon flop, c'est le couple Badoza Tsitsipas. Tu vas pas attaquer l'amour quand même. Si, si. De toute façon, je crois plus en l'humain, tu le sais très bien. Mais sincèrement, j'ai regardé un peu et tout ça. Je suis désolé, mais depuis qu'ils sont ensemble. Tu crois que ça a une incidence? Depuis qu'ils sont ensemble, Badoza ne gagne plus un match. Elle se blesse tout le temps et lui, il ne gagne plus un match. Pardon. Ce sont des suppositions, Mais ma supposition, c'est pas ma supposition. Ce que je dis, c'est qu'il ne s'entraîne plus assez. Point. Voilà, c'est tout. Les deux. Il a changé sa technique au service, Tsitsipas. Il a copié celle de Sinner en pensant que ça allait pouvoir servir comme Sinner, mais pas du tout. Mais j'en avais parlé dans une émission, ça sert strictement à rien. Parce que quand tu regardes les stats de l'année passée, c'était un des joueurs qui gagnait plus de points sur sa première balle. Donc je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher autre chose. Mais c'est sachant qu'en plus. Il a une deuxième balle extraordinaire, Stefanos. C'était un des meilleurs joueurs derrière. Tu regardes techniquement, ce mouvement fait que. Avant, il tombait un peu à gauche. Ouais, là, il tombe encore plus à gauche. T'as l'impression qu'il est complètement déséquilibré. Ouais. Donc, je sais pas qui a eu cette idée-là de génie, mais je pense personnellement que il s'entraîne pas assez. Voilà. Mais les ils deux. Sont heureux. Ouais, et c'est là le plus important. Et puis, tu peux pas enlever l'amour. Voilà. Et Dominor et Bolter. C'est exactement ce que dit Onisha Drop sur YouTube. C'est vrai. C'est l'inverse de Dominor que Bolter. Alors, et Bolter, mon c'est... fils Svitolina. Voilà. Alors. Mais je dis pas le contraire. Mais eux. C'est pas l'amour, ça. Si, peut-être. Ah, y a l'amour. Mais bon, eux, ça fonctionne pas. Tsitsipas, s'il y a un ensemble de choses qui fait que. Des gros bleus à l'amour. Qui soupèrent. Mais moi, je pense qu'ils s'entraînent moins. Ils s'entraînent moins et ça se voit. Quand tu vois le match contre Chapovalov, on en a parlé. Il est à l'agonie au bout d'un set. Et il joue pas sur terre un mec qui fait que des ronds, quoi. Il joue un mec qui joue en 3-4 coups de raquette. Non, non. Ça va pas, là. J'aime bien le ton. Il faut que papa revienne. Non, mais attends, je l'ai regardé, il est au bord du cou, il est là. Mais il y croit plus, papa. Non, mais c'est pas qu'il est au bord du cou, c'est qu'il est tout le temps debout comme ça. Il a déclaré qu'il reviendrait dans le top 10 d'ici quelques semaines. On va voir. Surface, normalement, la Terre,
C'est là où sont juste sublimes, normalement. Non, mais attends, mais Tsitsipas, il est jeune. Non, mais tu peux pas dire à Tsitsipas, il a quoi, 26 ans, 27 ans? Ah non, mais je dis pas qu'il est 98. Alors, Tsitsipas, alors, hop, tu remets la robe de bure, t'oublies le kiki, et puis t'arrêtes le tennis, parce que de toute façon, t'y arriveras plus. Mais non, bah le mec, vas-y, je prends la corde, je me pends. J'ai pas dit ça, j'ai dit juste que c'est un flop depuis qu'ils sont ensemble, je suis désolé. Mais attends, il y a eu la blessure et tout, arrête. Bah, ils ont plus un résultat. Bah, Doza jouait super bien, tout en blessé. La veuve noire. Bon, on va terminer avec les pronostics de la soirée. Voilà pour les tops et les flops de la semaine. Les pronostics de ce soir, on y est. C'est parti, OK. Fille. Tout le monde, on y va. C'est parti. On va commencer par Francesco Cerundolo. Peut-il décrocher un huitième à Miami pour la troisième fois de suite? Il est bien, fait demi en 2022, quart l'an dernier. Et cet après-midi, il va retrouver son bourreau de l'an dernier, Karen Khachanov, 16e mondial. Est-ce qu'on va assister à la revanche de l'Argentin? Nos parieurs n'y croient pas du tout. Il est 1,24 Khachanov. Cerundolo à 3,70. Match de poète, beaucoup de slice, beaucoup de roucoulettes, des services volés, des montées à contre-temps, je pense, sur cette rencontre. Cerundolo, il aime bien les conditions. Je le trouve un peu haut sur cette cote-là, 3,70, ça me paraît un tantinet trop élevé. Parce qu'il peut aller chercher 77. Ouais, je pense. Khachanov est capable de lâcher un peu. Khachanov, c'est vraiment le mec, on n'en parle jamais à chaque fois. Métronome. Sur les débuts de tournoi. Ouais, il est là. Métronome régulier, il faut aller le battre en fait. C'est pas un gars vraiment qui sous-perf, bon en grand chelem aussi ces dernières années. Ouais, je trouve Cerundolo un peu haut. Si on analyse juste la cote, je le mettrais en dessous de 3 personnellement. Donc le petit 7 de Cerundolo. Peut-être le 7 de Cerundolo, ouais, mais vite. Moi je vois Khachanov. Ouais. Karen Khachanov à la fin, comme l'an dernier, face à Cerundolo pour Julien Varlet. Benoît. T'as l'impression que le tournoi a commencé il y a 2 mois, et donc c'est leur deuxième match. Donc je trouve ça débile. C'est ça. Ça me rend fou. Donc t'as aucun repère, tu sais pas. Cerundolo, oui, d'accord, il a retrouvé son coup droit. Khachanov, Khachanov. On fait confiance aux Russes autour de cette table. Ouais, je pense qu'il peut très vite revenir, lui, parmi les... Ouais, 12. À partir de 12, là, je pense qu'il est très solide. Entre 8 et 12, tout à fait capable de le faire. On va parler maintenant du troisième tour surprise entre Marojan et Popirine. C'est une grande première entre les deux. Marojan va partir favo. Popirine à 2,15. Marojan part favo grâce à sa perf sur le match précédent où il a été extraordinaire. Vraiment, il a joué un super tennis comme on a parlé dans l'émission. Après, ce sera quel Marojan? Est-ce que c'est le Marojan qui donne beaucoup, qui gâche, qui met du temps à trouver son rythme? Popirine, ce n'est pas non plus un joueur qui présente des garanties extraordinaires. Dans le rythme, dans le flow, je partirais quand même sur Marojan vu ce qu'il a montré contre Rune. Ah ouais, ouais. Moi, je vais sur Popirine. Ouais, moi aussi. On parle pas de Popirine, mais déjà sortir Lechka. Et puis... Et lui, il était pas transparent. Quoi. Sa qualité de service, son coup droit, il adore le dur. Non, moi, je partirais sur une victoire de Popirine. À 2,15, ouais. C'est une grosse cote et c'est donc suivi par Benoît Mélin. Ouais, avec des gros services. Hein. C'est très, très rapide, hein, son service. On va continuer dans la délicatesse en parlant de Zverev face à Eubanks. Première sur dur entre les deux, il est 1,08 Zverev. Ah, Eubanks à 6,50, on y croit. 6,50 Eubanks. The Phasm. Ouais. Peut-être que le tie-break. On va aller chercher ça tout de suite, le tie-break de Eubanks. Parce que vu la qualité des services quand même des deux... Il y a un irrespect total sur Eubanks. Là, sur ce match-là, ouais. À juste titre, mais... 1,76, le tie-break, mais nos parieurs, tu vois, vont aller sur le non. Pas de tie-break dans ce match-là. Ils n'y croient pas au tie-break dans ce match-là. Non, mais attends, mais c'est... Ou alors, il boit de l'eau bénite depuis 2 jours, le Eubanks, là. Mais... Ouais. Mais non, mais c'est tellement miraculeux qu'il soit là. Enfin, déjà, qu'il gagne. Ouais. C'est fou, quoi. Il doit être là. Mais contre Zverev. Mais oui, oui. Mais non, mais vous rigolez ou quoi? Je t'ai mis le 2-0 Alexander Zverev. Ah, mais ouais. Et Zverev peut avoir cette faculté, justement, ça peut être une qualité sur ce type de match-up, à reculer un tout petit peu, à aller prendre les fautes que Eubanks va donner. Laisser venir. Ouais, et sur un match comme ça, Eubanks, il va devoir tout mettre dans le courant, compliqué. Revers à une main, l'autre, il va l'enfoncer côté revers. En plus, ouais. En plus, il a pas de nature un revers très, très lifté, très bombé, Eubanks. Donc il faut qu'il rentre dans la balle. L'autre, il va le tenir dans la diag avec son revers à deux mains, il va rater. Zverev monstrueux côté revers, et ouais, dans la diago, il va le tuer. On ne s'accroche pas à 100% à la météo, mais normalement, il y a du vent aujourd'hui. Hein. Mais attention au lancer de Zverev, c'est ça ? On est prêt à tout. Dominor va-t-il assumer son statut contre Struff, l'Allemand qui reste sur 2 victoires, hein, Monte Carlo l'an dernier et Cincinnati 2020.
Mais c'est un autre demi-heure, il est à un 16. Je trouve un peu, toujours un peu le profil poil à gratter. Ouais, il est difficile à lire, sa carrière, il est capable de grandes choses. Je pense dans des conditions qui lui sont plutôt favorables. Demi-heure maintenant qui est devenu une référence sur le circuit depuis plusieurs mois maintenant, qui est très 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 solide à la fois à l'échange, mais aussi dans l'agressivité. Je trouve Demi-Nord peut-être un tout petit peu bas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je partirais sur le 7 de Schtroumpf. Le 7 de Schtroumpf, mais je pense que Demi-Nord... Pas simple à dire, c'est bien pour l'articulation, le 7 de Schtroumpf. Le 7 de Schtroumpf. Mais tu vois, Demi-Nord maintenant, ouais, il est bien, bien en place, mais avec sa qualité de service, il peut surprendre, il peut venir le breaker. Donc peut-être le 7 de Schtroumpf, mais victoire. Il est à 2-10. Schtroumpf, moi, c'est toujours mentalement, sur les fins de 7, c'est un joueur qui est fragile. Et si Demi-Nord... bien porté dans son élan de confiance comme ça, l'amène dans des moments de tension. À mon avis, c'est l'Australien qui prendra les points. Mais il est génial ce match. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est du Goscinny-Uderzo, ça. C'est Astérix contre Obélix. Ah, tu vas jusque-là hein. Ah ouais. Demi-Nord, c'est Astérix, c'est le petit malin. Et je trouve, il envoie des menhirs, quoi. Mais à la fin, qui c'est qui gagne, en général? C'est Astérix. C'est le petit malin. Moi, je, sauf s'il y a la potion magique. Mais oui, mais il est tombé dedans, je trouve, donc il n'en boit pas. Non, vraiment, je... Mais on parle, toi, des 18 victoires de Casper. De Casper, Demi-Nord aussi, il a 18 victoires. Ah, et bien, il est très très bien, Demi-Nord. Il est top 10. Il est fort. Et il est amoureux. Désolé, Isabelle, on ne va pas y croire, je trouve, sur ce match-là, à part le 7 pour Julien Varlet. Demi-Nord, c'est peut-être sur la partie terre battue où son momentum, son flow risque d'un peu baisser. Mais là, je le vois toujours très bon. On va parler de Korda et Hurkacz qui se retrouvent pour la cinquième fois sur le circuit. 3-1 pour le Polonais. Mmh. Hurkacz qui reste sur 2 victoires, Shanghai et Bercy l'an dernier. Cousin Uba 1,50, c'est des jolies cotes pour... C'est pas mal, ça. Tie-break, 3 heures de match. Bah oui, de base, tie-break. Est-ce que Korda est capable de remporter 6 jeux de service Telle est la question, ouais. C'est combien le... J'y vais. Il faut que je scrolle parce que c'est loin. Il peut y avoir un... 1,60. Il peut y avoir de l'ace, hein, là, des deux côtés. Hein. Ça sert bien, là. Hurkacz qui adore ses conditions. Ouais. Korda, bah, c'est toujours la même question avec ce joueur. Deux joueurs qui sont très à l'aise à la volée. Qui savent avancer dans le cours, qui peuvent essayer de se déjouer sur ce compartiment-là. Je pense que ça va jouer sur la qualité de service du Hurkacz, peut-être. Moi, je trouve quand même qu'il y a une grosse différence de 40 à 50. Et même si je vois le tie-break, je partirais peut-être sur une victoire de Korda, un peu surprise. Une victoire de Korda ? Ouais. Pour la cote ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Pour la cote, et puis je trouve qu'il peut vraiment gêner dans le style de jeu. Voilà, c'est un joueur qui contre très bien. Hurkacz, on sait que c'est service et premier coup. Et... il peut venir le perturber en montant filet, quelques amortis, il peut le gêner. Effectivement, il y a toujours la qualité du service de Hurkacz. Mais moi, j'ai mis Korda. Je partirais à 2,40 sur Korda. La grosse cote à passer par... Pour moi, c'est trop rapide comme surface pour Korda. Ah ouais ? Ouais, contrôler cette balle là, parce qu'il va falloir qu'il la prenne tôt, sinon il se fait emmerder. Et contrôler cette balle là, pendant 3 sets. Là. Korda, très bon relanceur. Hein. C'est sous-côté, mais il est dans les meilleurs relanceurs du circuit, dans les stats. Il est régulièrement dans les 5, 10, quand vous regardez les stats avancées. C'est un très bon relanceur, donc ça peut être à son avantage contre Hurkacz. On va parler de la grande première entre Dimitrov et Hoffman. Pas vraiment la surface préférée d'Hoffman. Il est chaud, facile. Hein. Grigor. Hein. Mais non. Le style de jeu, Hoffman sert très bien. Mais Grigor, avec son slice, avec son jeu de variation, je partirais quand même sur une victoire de Dimitrov. Hoffman... Un 10, voilà. Ouais, c'est très bas. Le 6... Peut-être un 7, le 7 de Hoffman, parce qu'à 6, il doit être au moins à 3 quasiment, ou 2,80. Je partirais peut-être sur le 7 d'Hoffman. À 2,50 ? 2,50. Bah, il tape quand même en Russe Uvori, le Hoffman. On ne s'y attendait pas en 3-7. Bon, après Manarino, est-ce qu'il était blessé ou pas ? Il sauve une balle de match, hein, quand même, ouais, Hoffman. Hein. Ouais. Mais c'est Dimitrov comme Hoffman ont eu deux matchs très durs, hein, puisque Dimitrov est à 2 points de la défaite, ouais. Hein, quand même, dans l'histoire. Mm-hmm. Et les mecs enchaînent, là, tous les deux. Ils ont joué hier, eux. Ah, il est dur à toucher ce match. Je trouve. Celui-là, j'y touche pas, moi. Pour proposer le match, j'ai bugué tellement je suis excitée par ce match-là. Je ne vis que pour ce match-là que je vais regarder avec Julien Pichenet. Musetti Shelton, également programmé, se sont joués une fois au Queens l'an dernier, victoire de l'Italien en 3-7. Massacre de Shelton. Massacre à la trousse. Ouais, je vais sur Shelton, le... Musetti 3-0-5. Je vais sur le moins de. Moins de 8 jeux. Je pense qu'il ne fait pas 4-4 contre Shelton. Il ne fait pas 4-4 ? Non. Shelton, énorme. Énorme contre l'Andalou. J'ai trouvé gros service, mais pas que ça. Il veut juste capable d'avancer. Au service, lui. Il regarde le radar et il veut juste. Ouais, mais le record. Son service de gaucher sur le revers de Musetti.
Ah oui, oui, ça, c'est important. Il y a ça, et puis il y a quand même aussi, au fur et à mesure, ce qu'on oublie un petit peu, le kick à côté égalité, le kick du gaucher, mm-hmm. qui vient très haut dans le coup droit, que les droitiers n'ont quasiment jamais. Je peux vous dire qu'il va l'emmener slice ici. C'est Musetti qui le bat au Queens l'année dernière. Non, je vous le dis juste, je le rappelle. Non, mais alors, regarde, je te dis un truc normal l'année passée. Il découvrait le tueur cette année. Moi, je mets une piécette sur Shelton à Wimbledon. Musetti n'avait pas 36 ans d'expérience sur gazon. Mais peut-être pas aussi sévère que Benoît, mais je pars sur la victoire. Ils sont tous hyper sévères sur le chat. La victoire de Musetti contre Safiulin, elle est en trompe-l'œil, hein, parce qu'il s'accroche au début, il a du mal, il réussit à taper quelques revers longs de ligne, complètement miraculeux. Et derrière, Safiulin, c'est le Père Noël, hein, sur la balle de 7, il met un smash horrible et il lâche complètement dans le deuxième. Donc c'est pas forcément une victoire sur laquelle il faut accorder trop d'importance. À mon goût, je sais que Marie, tu es virée. tu aimerais que je sois plus. Tu passeras la compta. Mais non, évidemment, ok. Bon, vous voyez tous la torche de Shelton. Ok, 1-33. Ouais. On va du coup passer et terminer avec mon fils face à Carlos Alcaraz. À minuit. Il n'est pas favori, notre Gaël. Il est à 7-25. Alors là, on a fait un max sur Gaël pour dire que pour c'était dire bien. Que Gaël... c'était bien, mais ce ne sera pas suffisant. Ah bah là, si joue l'Alcaraz qu'on a vu ces derniers jours. Si joue l'Alcaraz, alors là. On lui dit, il porte la flamme, il fait tout ce que tu veux dire. Il n'y a pas un monde où il bat. Il chante à la place d'Aya Nakamura, il fait la totale, Gaël, s'il bat Alcaraz. Je ne le vois pas battre Alcaraz. Le problème de Gaël, c'est que l'essence de son jeu, comme on l'a dit, c'est de décrocher, c'est de jouer un peu un tennis de rupture. S'il donne un peu d'espace à Alcaraz, il va rentrer à l'intérieur du court, il va mettre les petites amorties et il va le découper. Dès que Gaël va être un peu loin, hop, il va prendre la balle un peu tôt, amorti. C'est donc le set de Gaël, c'est quoi tu Je pense qu'il peut y avoir des beaux points. Non, il va y avoir des beaux points. C'est sûr. Ça va être intéressant. Ouais. Mais je pense que Alcaraz est au-dessus. C'est sûr. Le set de Gaël, mon fils, je vous le propose quand même. Le set de Gaël, mon fils, qui est à 2,80. Et il y a pas mal de personnes qui vont sur le set de Gaël. Les Winamis sont partis, tiens. Ouais, il y en a pas mal. Benoît Je sais pas. J'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Je peux pas y croire. Bah écoute, Nojo sur YouTube, il voit Gaël s'imposer en 2-7. Allez, Gaël en 2. Je vois pas ce qu'il peut faire. Je vois pas comment il peut tenir l'animal. C'est dingue. En plus, l'animal a quand même gagné une diamèse, quoi. Donc, ah bah l'animal est très chaud, là. Qu'est-ce que... C'est combien la cote Beaupoint? Est-ce qu'il peut l'emmener? Pour moi, j'aimerais bien qu'il l'emmène sur un tie-break, s'il sert très très bien. Alcaraz n'est quand même pas le champion du monde de la relance. Donc bon, tu te dis, s'il ne relance pas trop profond et que le Gaël y va, boum, allez. Mais est-ce qu'il ne va pas frapper une balle puis faire 3 mètres en arrière pour se dire, tiens, allez, je sais pas du tout. S'il y a un tie-break, je suis content. Ouais, tu crois pas. Non, on a du mal à être. On a du mal à y croire, Gaël. Mon fils, on va passer chez les femmes avec ça. Attends, dernière fois que mon fils a battu un top 3. Top 3 ? Eh ben. Parce que top 10, c'est Tsitsipas, non ? Le dernier top 10 de mon fils, c'est pas Stefanos ? Tsitsipas, c'est le top 10 que tu bats pour avoir la stat. C'est où Tsitsipas ou Ruud ? C'est Urkacz. C'est Urkacz. Ah bah oui, je suis con. C'est Urkacz, bien sûr. Dubaï, à Doha, non ? Bah attends. Là, Indiana. Oui, je suis bête, c'est ça. Bah, oui, mais du top 3. Je l'ai pas en tête. Il va nous aider sur le chat. Mais attends, c'est pas lui qui tape Medvedev numéro 1 mondial, là, avant de jouer Alcaraz ? C'est le bat à Indian Wells. En 2022. Ah, c'est ça ? Ah bah oh ! Quelqu'un le voyait battre le numéro 1 mondial de l'époque ? Ça, c'est fort. Bon c'était fort, la grand-mère de Daniel, hein, sur ce match, mais, ça, mais on le prend. C'était juste avant l'opération. Merci, donc, Lucas, ouais, Medvedev. Merci, c'est ça. Merci les gars, merci Isabelle aussi. On passe aux femmes, justement, Sakkari qui affronte Kalinskaya, finaliste à Dubaï. Sakkari 1,62, nos parieurs vont aller sur Kalinskaya à 2,15. Hein ? Juju. Moi, je pensais qu'il y a depuis ça... que tu vas plus sur Sakkari, ouais, ça se passe bien. Ben donc, ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu voulais aller sur Sakkari? Ben, j'allais aller sur Sakkari parce que je trouve qu'elle a fait un bon match contre Yastremska, alors que j'étais parti sur Yastremska. Kalinskaya, match particulier contre Ostapenko. Moi, je partirais plus sur Sakkari parce que, mine de rien, même si je trouve que c'est un peu l'ancien tennis, mais il y a quand même cette rigueur d'essayer de tenir la balle, de ne pas faire de faute à une Kalinskaya qui va chercher à frapper fort. Sakkari, mais bon. Elle est à combien, 1,62 bon. Je partirais sur Sakkari quand même. Sakkari, il est pas mal. 1,62, t'es suivi par SV, Benoît ? Non, Kalinskaya. Kalinskaya a... J'étais sur Sakkari avant, mais pas sur ce match. Parce que Kalinskaya est en feu.
C'est déjà cogné 4 ou 5 top 10 depuis le début de la saison. Son parcours à Dubaï sur une surface quasi similaire a été complètement dingue. Weba, Ostapenko, Coco Gauff, Iga Swiatek. Ouais, elle fait quart à l'Open d'Australie cette année, Kalinskaya. Pour moi, elle est, ouais, elle est, on est dans le tu veux du tennis moderne où je te rentre dans la balle, là, je te la lunis à chaque fois. Je mets Kalinskaya. Comme nos parieurs, on va passer à Putintseva maintenant face à Kalinina, l'Ukrainienne qui reste sur une victoire à Eastbourne en 2022. Nos parieurs vont aussi aller sur Kalinina. Bon, c'est très proche. Ouais, moi aussi, Kalinina. Vous aussi, c'est suivi tous les trois. Passons à Rybakina. Ah, si la Poutine, elle arrive en quart de finale, alors là... Alors qu'elle n'a pas gagné un match depuis... Je comprends plus. Des choses assez folles à Miami. Rybakina va-t-elle livrer un nouveau combat contre Madison Keys? Leur dernier duel remonte à Ostrava 2022. Rybakina s'était imposée en 3-7. Elle est 1-34. Madison Keys à 3-05. Le 7 de Keys. Ouais. Et 7 de Keys, je partirais sur comme Benoît, et voir peut-être même la victoire de Keys. Parce que là, la grande Rybakina entre le 3-7 de dingue contre Towson et Townsend, physiquement, je ne suis pas sûr qu'un jour de repos, c'est très souvent après que tu as les courbatures et tout ça, lancer la machine. Je partirais même, tu vois, pour être plus précis, premier set pour Keys. Sans avoir joué depuis longtemps pour Rybakina. Donc ça doit. Le premier set de Keys, ouais, parce qu'il va relancer la bécane. Il n'y a pas une cote, premier set. Fin de match. Premier set, fin de match. Premier set, fin de match. Je ne touche pas à ce truc. Vous êtes un peu trop précis. Le set de Keys, je crois que c'est déjà très bien. Nous allons parler maintenant à SV de Caro Garcia qui retrouve des couleurs à Miami. Elle a gagné contre Osaka et elle va affronter ce soir Coco Gauff, numéro 3 mondial. La Française reste sur 2 victoires contre l'Américaine. Caro Garcia, US Open et Masters 2022. Oui, Caro Garcia qui a battu Osaka aux fléchettes sur le précédent match. Alors, regarde les cotes. Quelle est la cote? 4-20 pour Caro Garcia, 1-20 pour Coco Gauff. Il y a plus de 80% de nos parieurs qui vont sur Coco Gauff. Alors, Yann Strat s'est joué très fort sur le coup droit de Coco Gauff et prié, quoi. Mais sinon, à part ça... Tu crois pas à la vie? J'ai du mal à y croire, non. J'ai du mal à y croire. Je partirai sur... C'est tellement aléatoire pour Caro que moi, je partirais quand même sur Coco Gauff, quoi. Même si elle ne joue pas le tennis qu'elle a pu faire en septembre dernier pour gagner l'US, mais je pars quand même sur Coco Gauff. Un 7, Caro? Avec sa qualité de service, pourquoi pas, quoi. Ouais. Mais Coco Gauff au bout, quoi. Bah, oui, l'emmerdant, c'est qu'elle va l'amener dans l'échange. Donc, Caro dans l'échange. Mais comme elle nous dit qu'elle va super bien, que... Elle est amoureuse. J'écoute plus ces trucs. Elle est bouloudou, da. Après, je me suis amusé avec la victoire de Caro Garcia parce que je me dis qu'elle est. Mais t'es pas tout seul. Hein. Elle est tellement dingue dans son tennis. Si elle lui saute à la gorge à la Coco Gauff qui tout d'un coup, je sais pas, commence à avoir des hips avec son service. Son coup droit bizarre. Alors, bien sûr, elle a cette volonté de dingue, mais bon, Caro aussi, parce que Caro, si elle, comme tu l'as dit, hein, elle gagne les deux dernières fois. Donc, t'as l'impression que sur ces surfaces-là, les filles, c'est tellement du hurra tennis, on débouche les champagnes, le champagne en permanence, que Iga Swiatek, c'est pas simple, ça va trop vite. Rybakina, t'as pas trop de repères. Zabalenka, il y avait l'histoire avec son ancien mec. Tu dis qu'il y a tous les champs du possible sont ouverts, quoi. Il y a 1700 personnes qui t'écoutent là-dessus. Ils sont sur Caro Garcia. Non, pas, mais pas les 1700, mais beaucoup. Moi, je pense qu'elle peut pas tenir l'échange, Caro Garcia. Mais ce que nous dit Vincent, la différence ici, c'est quand même que Gauff relance très bien par rapport à Inosaka et faire jouer le coup de plus à Caro. Ben oui, mais Caro, elle peut t'empêcher de te faire jouer le coup de plus. C'est ça la force de Caro Garcia. C'est Caro Garcia fin 2022. C'est quoi le coup de plus pour Caro? C'est le deuxième coup. C'est ça. Caro Garcia, à un moment... tu sais pas ce qui peut arriver avec Caro Garcia. D'où elle nous sort sa fin de saison 2022? D'où ça sort le truc? D'où ça sort c'est quoi? C'était en 2017 qu'elle nous fait un truc de dingue? Elle joue par vagues, c'est des vagues de... Imagine de succès, tout d'un coup, là, elle est bien, elle est tranquille. Et ça va vite. L'amour. Le 7 de Caro Garcia. Mais tu crois pas à l'amour. Tu crois plus en l'amour, non, tu crois plus en l'humain, tu crois plus en rien. Caro Garcia, elle peut. Enfin, je sais pas s'il y a des aces, mais je pense qu'elle peut planter plus d'une dizaine d'aces à Coco Gauff. Ça, elle en a fait 12, je crois. Tu dois être à 6, 5 ou 7, 5. Ouais. Moi, je dis qu'elle peut lui mettre 10 aces faciles à Coco Gauff. Et si elle sert bien, et si elle rentre dans l'art de Coco Gauff, mais tout. Ah mais non, mais au niveau stratégique, c'est ce qu'on disait en début d'analyse et ce que rappellera Fantenis. S'il arrive à agresser le coup droit
a forcé le coup droit de Coco Gauff, il y a un angle stratégique là-dessus. Le 7, je vous propose simplement le 7 de Caro Garcia. Le 7 de Caro Garcia qui est à 2-10, c'est déjà très bien. On va parler maintenant du duel 100% américain entre Pegula et Navarro. Où ce match ? C'est une grande première entre notre ami Pegula et Navarro qu'on adore. Nos parieurs sont très indécis. Mmh. Beau très ça. Très indécis. Il est magnifique ce match. Ouais. Alors regardez sur Winamax TV, évidemment. À la fois magnifique, mais tellement dur à anticiper, à prévoir. 2-35 Navarro, Pegula 1-52. Moi, je... Ouais. Silence, il y a des soupirs, beaucoup de soupirs. Non, qui veut dire beaucoup. Généralement, quand on ne parle pas, moi, on se jette pas sur un match, c'est qu'en fait, on... Elle arrive à son top, Navarro. On en a expliqué hier encore que Pegula avait changé certaines choses tactiques dans sa façon de jouer. Donc, moi, je partirais sur la piécette Navarro à 2-35. T'es pas tout seul. Je pense qu'elle est dans une bonne phase. Ah oui. Donc, elle peut créer la surprise. Donc, je partirais sur une victoire de Navarro. C'était pas mal, hein, Pegula, hein, ça. Ouais, c'était beau. Hein. Mais si on part du principe que c'est un match qui est plutôt équilibré, qui est plutôt 50-50, si on doit regarder la cote, on partirait davantage sur Navarro. Navarro. Ouais. Oui, parce que c'est ce qu'elle joue mieux en ce moment. Vu l'équilibre. Benoît, on tranche avant de passer à Swiatek. Oh putain. Navarro et Grosjean. Hein, non, 3-7 sans vainqueur. On termine par Swiatek face à Alexandrova. Ils se sont joués à Doha cette année. Swiatek lui avait mis 1-4. Est-ce qu'on part sur le même scénario ou plus de difficultés Tu sais quoi, là ? Je partirais sur le nombre de jeux. Swiatek ne m'a pas rassuré hier soir. Ah non. C'était compliqué. Elle mène 5-2, bim, elle va perdre le premier 7-6. C'était un pas brouillon, mais effectivement, peut-être la sensation qu'elle a du mal à poser le jeu. Alors en plus, je ne sais plus si on en avait parlé, mais elle a changé son service, sa préparation, elle monte direct maintenant. Bizarre, ouais. Je ne sais pas ce que ça lui apporte. Mmh. Après, tu regardes, effectivement, elle a toujours cette prise très fermée en courant. Je la trouve un peu moins fluide que d'habitude. Et je partirais sur le nombre de jeux, moi. Regarde le plus de 17-5 à 1-56. Ben, je partirais là-dessus parce que je pense que ça peut être un match très compliqué pour un nouveau Swiatek. Match compliqué pour Egan Swiatek. Non, je vois pas le... C'est pas souvent. Mais je vois un match tendu compliqué, ouais. Un petit 3-7. Match tendu aussi pour SV et Benoît. Un petit 7 Alexandrova, peut-être. Je sais pas, je pense pas. Ouais, mais ça peut être des 7, tu vois, comme il y a eu, tu vois, 6-2, 3-6, 6-1. Donc plutôt le nombre de jeux que le 3-7, moi. Moi je vais sur Iga, là, quand même, je reste sur Iga. Mon Dieu, j'ai oublié le match de fou entre Collins et Cirstea. Merci dans le chat de me le rappeler. Évidemment qu'il faut parler de cette première surdure entre Collins et Cirstea, qui adore Miami, décidément. Hein. Cirstea 2-0-5, Collins 1-70. Collins, rappelle quand même, parce que c'est là où on voit qu'on a un public d'experts. Était le nom qui sortait le plus dans les outsiders de ce Miami quand on a fait nos tableaux. Bravo. Oh, les Winami, ils sont là. Ils sont là. Ils sont passionnés, intéressants. Moi, j'ai vu Avanesian après sa victoire contre Jabeur. Et performant. Il y a eu nos matchs. Elle s'est fait démonter en deux temps, trois moments. Oui, merci Juju. Démolir. Moi, j'aime cette expertise. Là, c'est un match de dingue. Hein. Bah oui. Match à regarder sur Winamax TV. Alors, on va sur qui ? Sur Collins. Ah ouais, moi, je dirais sur Cirstea, mais... Je touche pas à cette diablerie. Ouais, tu as raison aussi. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, la Collins ? Le 7 de Cirstea, c'est ce qui ressort dans le chat. Ouais. Frédéric nous dit je ne touche pas à ce truc. Et depuis tout à l'heure, Frédéric, il dit je ne touche pas à ce truc. Mais il ne touche à rien, Fredo. Il contrôle le V. Ouais. Non, mais c'est vrai que le 7 de Cirstea, ça doit être le truc le plus. C'est pas déconnant pour vous, le 7 de Cirstea. Non, c'est quand même une fille qui fait demi à Dubaï. Et à Miami l'an dernier ? Qui était demi à Miami l'an dernier, qui battait Zabalenka, qui fait quart à l'US Open l'année dernière, elle bat Rybakina. Elle avait fait quart à Indian Wells l'année dernière, elle avait battu Caro Garcia, qui était top 5 à l'époque. Enfin bon, son plus gros truc, c'est la finale à Toronto, en WTA 1000, il y a quelques années, mais bon, elle l'a fait, quoi. Elle perd contre Serena Williams en finale, elle se bat du lourd à l'époque. Hein, donc, Mais deux petits sets à Kazatkina. Ouais, donc, mais j'avoue que... Le 7 de Cirstea. Le 7 sûr. Voilà. Et j'irai quand même... J'irai sur la victoire de D'accord, Cirstea. J'ai encore oublié un match, voilà. Azarenka-Bolter. Dis donc, j'ai tout oublié. Vrai. Je m'excuse. Azarenka. Grande première entre Azarenka et Katie Bolter. Azarenka est quand même un cran au-dessus de Bolter. Elle est 1,68. Moi, je pense. Katie Bolter à 2,05. Il n'y a aucun Winami qui croit en Bolter. Non. Ouais, voilà. Ah bon ? Bah merde, vous êtes dur. Il n'y a que Benoît qui y croit. L'amour, peut-être ? Tu gagnes pas San Diego comme ça en marchant. Ouais, mais là, c'est Azarenka, pas Oui, mais enfin, Dan Maya. On est tous rôtis, c'est ça le problème. Dan Maya,
3-7 cents. Beaucoup d'onomatopées. Ouais, 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 ouais. Il va parler en onomatopée. Le set de Bolter. Le set de Katie Bolter. Voilà, on est tout bon. Ça y est, merci à tous. Dis donc, c'était l'émission la plus longue de l'année. Mais ouais. Merci à tous d'avoir été avec nous. Émission à retrouver en podcast. Merci à SB qu'on retrouve lundi prochain pour débriefer la finale de Miami. Et puis nous, on va se retrouver demain à 11h. Débrief de la nuit. Avec la victoire de Gaël. Et ping. Et ping. Oh, bah là, c'est la victoire de Gaël. S'il y a la victoire de Gaël, on met la musique. C'est la folie, l'excitation. Ciao à tous, merci. We'll be right back.